Et comme je l'avais promis, l'arrivée du générique. Et j'espère qu'il vous plaît. Hein. J'espère qu'il vous plaît et j'espère qu'on va pas se bouffer un droit d'auteur. Sinon, de toute façon, si on se bouffe un droit d'auteur, je changerai la musique d'intro. Salut Docteur Nintendo, j'espère que tu vas bien. Comment vas-tu? J'espère que tu as passé une excellente journée. On est reparti sur ce Jack 2. Hors la loi, jeu sorti en 2003 et créé par Naughty Dog. Deuxième grande licence de Naughty Dog. Donc chargé une partie, 2h07 de jeu. J'ai doublé la sauvegarde parce qu'on ne sait jamais. Et je vais prendre la sauvegarde numéro 1. J-4, donc ça va bien. Et toi? J-4 par rapport à quoi, Docteur Nintendo? Alors, je vais pas trop perdre de temps. Je vais essayer de... Déjà, on va voir ce qu'on doit faire au niveau de la mission. Détruit les tourelles des égouts, c'est ça. C'était le fameux niveau des égouts. Très bien. Le fameux niveau des égouts. Par contre, est-ce que je peux lui reparler à l'autre con? Oui, histoire de relancer la mission. Vous deux, vous commencez à nous être très utiles. J'ai une autre mission pour vous. J'utilisais les égouts pour la contrebande, avant que le baron n'installe ses dispositifs de sécurité. Et avant que vos petits excès alimentaires ne vous empêchent de passer la porte. Je parie que votre petit cerveau boulimique a manigancé un autre plan génial. Alors, qui doit-on éliminer ou que doit-on détruire ou faire exploser? Eh bien, j'ai besoin que quelqu'un descende dans les égouts pour y détruire tous les gyro-shooters qui s'y trouvent. Et je vous donnerai de quoi améliorer votre arme si vous y arrivez. Laissez-moi deviner. De l'eau froide et opaque? Des puanteurs encore plus immondes que votre haleine après avoir avalé des huîtres? Des Metalheads plus nombreux que les mouches autour de votre assiette? Et bien sûr, des armes plus corrosives qu'un de vos slips super moulants? Un jour de chaleur torride! Écoutez, espèce de glouton, pourquoi vous n'iriez pas vous-même dans les égouts au lieu de l'éviter ici inutilement? On ne fera rien tant que vous ne nous aurez pas dit pourquoi les Metalheads trafiquent avec le baron. J'aurais dû vous faire briser les rotules. Tout ce que je sais, c'est que le baron a conclu un marché désespéré avec le chef des Metalheads. Les Metalheads ont besoin d'écho et le baron leur en donne. En échange, les Metalheads n'attaquent la ville que dans les limites du règlement que le baron a instauré. Ouais, mais pour combien de temps encore? En fait, le baron va bientôt être à court d'écho. Et les Metalheads vont être à court de patience. Le baron Praxis a besoin de cette guerre pour rester au pouvoir. Où la ville réclamerait le retour du véritable dirigeant. Où que se trouve ce sale mioche? Daxter et moi, on va se charger des égouts. Mais on n'a pas oublié qu'en échange, vous nous avez promis de quoi améliorer notre arme. Petite censure. Ça serait pas la voix de Sylvester Stallone par hasard, Crew? Bouclez la zone. Mais il y a un casting de fou. Il y a un casting de fou. Salut Top Top, j'espère que tu vas bien. J'espère que t'as passé une agréable journée, Top Top, en ce jour férié. Et direction les égouts. Le jeu, il rame là. Hein. Il rame sévère, le jeu. En fait, j'ai compris, Docteur Nintendo, quand je vois la mécanique de gameplay, le monde ouvert, voler les voitures, buter les citoyens, c'était un petit peu ton GTA en 2003. Si je me trompe pas. Mais bien sûr que ça va nickel, Top Top. Pourquoi je te pose la question, d'ailleurs? Je me la pose moi-même. Bon, allons-y. Le fameux niveau des égouts. Buter les tourelles. Parce que la contrebande... La contrebande a pris un coup. Le business... est en berne. Il faut régler ça. On passe au secteur
Ouf, freinage, freinage. Freinage. Allons-y. Bon, clairement, un jeu... Mais... C'est fou parce qu'on a quitté un peu l'univers... J'élargis le sens, mais on a quitté l'univers Mario pour arriver dans un univers Uncharted, hein, clairement, avec ce Jack 2. Je pense qu'ils ont voulu se détacher aussi par rapport au titre, hein, puisque souvenez-vous, le premier épisode se nommait Jack and Daxter, alors que l'épisode 2 se nomme Jack 2, avec le sous-titre « Hors la loi », carrément, ce n'est pas rien. « Hors la loi », ça veut bien dire « baroudeur »,« gangster », c'est... Ils ont vraiment changé de direction. Le fameux niveau des égouts, c'est parti. Alors, j'ai un fusil à pompe maintenant. Ça ne rigole plus. Tout va la guerre. Ah ouais, carrément, ils arrivent à me toucher. Vous voulez la guerre? J'ai un fusil à pompe. Est-ce que vous voulez goûter mon crash prunant? Santé et cartouche. D'accord, c'était un interrupteur pour allumer la lumière. Oh putain, la première tourelle, esquive. Quoi, oh, j'ai esquivé. Ah oui, d'accord, ça y est, moins une. D'accord, est-ce que ça va être labyrinthique? Attendez, il y a des poissons dans... Il y a des poissons ou quoi? Ah ouais, il y a des poissons. Ah ben c'est même les mobs, carrément. Putain, les touches sont inversées pour la caméra, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Bon. Alors, dites-moi si on est bon pour le son, image, voix, s'il vous plaît. Oh putain. D'accord, un petit medal head à travers le grillage. Je suis impressionné parce que même là, le grillage, il bougeait. Même là, le grillage, il bougeait, même s'il est en 2D. Wow, top, les triples serpents. Donc, on sait que le triple serpent, c'est x5 maintenant. Ouh, le serpent, c'est x5. Bien joué, top. On est au courant maintenant. Merci à toi, top. Tu nous fais avancer dans la quête du slot. Le serpent x5, ça je vais le mémoriser. Mission. Pour le son, on est bon, parfait. Oh putain. Des metal heads. Il recharge à la Terminator, hein, en faisant tourner l'arme sur elle-même. On va récupérer les orbes. C'est dommage qu'il n'y a pas un bouton de garde. Parce que s'il y avait eu un bouton de garde, on pourrait vraiment faire un gameplay aux petits oignons. D'accord, j'ai l'impression qu'une trousse de soins, ça remonte de... Ah, attendez. Il y a une tourelle. Comment je peux faire? Je peux esquiver comme ça, oui. Pourtant, je saute. Hein. Parfait. Et de deux, vous en sortez bien. Et de deux, c'est la voix de Sylvester Stallone, les gars. C'est la voix de Rocky, c'est sûr. C'est sûr et certain. Putain, je pensais qu'ils allaient me donner de la santé, mais ils m'ont rien donné, ces enfoiros. Je suis déçu. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du Uncharted à tout cracher, ça, hein, clairement. Les plateformes qui s'effondrent, c'est du Uncharted. Alors attendez,
Déjà, je vois des lumières au fond. Il y a l'air d'avoir beaucoup de metalhead. Je pense que c'est des metalhead. Allumons la lumière. Effectivement. Eh ouais, ça fait beaucoup là. Ouh là là, ça fait beaucoup. Non, on revient au début. Ils sont sérieux. On revient au début. Les serpents sont un peu comme les dragons. C'est pas anodin que je gagne avec eux pour ma première sur Twitch. Bien joué en tout cas, Top Top. Hein. Putain, les gars, on va s'arracher les cheveux. Restons calmes. Restons calmes. Je pense que je vais me transformer. Hein. Si je peux me transformer, je vais essayer de me transformer si c'est possible. Parfait. J-4 pour Animal Crossing. D'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Alors, je vais pas le prendre tout de suite. J'aimerais que tu me donnes un peu ton ressenti avant que je le prenne. Parce que si ça vaut pas le coup, peut-être que je le prendrai pas. Et j'attendrai que tu m'en parles un petit peu avant. Donc, deux cartouches pour les oranges. Ok. Il me reste pas beaucoup de... Ok, faut beaucoup reculer. Hein, face à eux. Allez. Oui, c'est bon. Je pourrais me transformer. Je pourrais me transformer contre les Metalhead. Je pense que c'est la meilleure solution. Là, je recule. Parce que là, la meilleure esquive, c'est de sauter en arrière, en fait. Munition santé. Très bien. Bon, allons-y. Oh putain. Alors. Vous vous en sortez bien. J'en suis exactement au même point que tout à l'heure. Maintenant, il me faudrait de la santé ici. Non, pas de santé. Donc, s'il te donne des orbes pour devenir. Pour se transformer en mode bestial. C'est vraiment que tu dois te transformer. Hein. Je voulais voir si la santé que j'ai laissée ici, elle est restée. Non, elle n'est pas restée. Elle disparaît au bout d'un certain temps. Salut le diable des Whammer! Comment ça va, mon petit Diablos? Mon petit Diabolos, il est là, les gars. Ça fait plaisir. Ah, si le petit Diabolos est là. Bon, c'est donc scripté. Ah, clairement, ils veulent qu'on se transforme. Ils veulent qu'on se transforme. Je l'ai pas lu comme ça. Ben, c'est simple. Si la personne aime la décoration, le DLC est fait pour elle. Si la décoration ne lui est pas essentiel, ça ne vaudra pas le coup. Mais écoute, la décoration, j'ai envie de dire que c'est l'élément maître de Animal Crossing, hein, en même temps. Ouais, mais je t'ai laissé un message pour un préavis. Merci beaucoup, Docteur Nintendo. Go, c'est parti, transformation. Si je peux tous les buter d'un coup, ça serait magnifique. Ça a marché. Ça a marché, les gars. Ça a marché. Ma technique a marché. Ma technique a marché, les gars. C'est passé. Bon, j'espère qu'on en apprendra un petit peu plus sur cette transformation. J'espère qu'on apprendra un petit peu plus sur la fille qui nous accompagnait, là. La fille et le sage. Comment elle s'appelait, la fille? C'était pas Chloé? Chloé et le sage vert. Et il y avait plusieurs sages, hein. Bon, à quoi ça a servi de venir ici? Ah,
Faut passer peut-être sur les... Voilà. Peut-être passer ici. Ouais, c'est là, les gars. Attention. Putain de saloperie. Putain, non, mais je me fais toucher par eux, sans déconner. Faute professionnelle grave. Faute prof... Oh putain, mais non, je l'ai pas vu, lui aussi. Faute professionnelle grave. Oh, 3 points de vie. Ok, il y en a une qui est pas loin. Elle est où? Elle est ici. Ouh, ça va être Tandax. Putain, ça va être Tandax. Putain, ça va être Tandax. Je vais me faire toucher, c'est sûr. Il n'y a pas de la santé quelque part, là? Il y a beaucoup moins d'orbes aussi, hein. Il y a beaucoup moins d'orbes. Est-ce que t'étais là, le Diable des Whammer, pour le premier épisode de ce Jack and Dexter? N'oublie pas que tu as ton coup de poing et un coup tournoyant. Utilise-les. Eh oui, mais oui, mais t'as raison. Mais je suis complètement con. J'aurais dû utiliser les coups de poing là face à ces mobs de merde. Ah putain, on est mort. On est mort. On s'en sort bien. Droit de chute. Pas mal. Continuez. On s'en sort bien, les gars. On s'en sort bien dans cette histoire. Là-bas, c'est quoi? Je prends pas le risque. Je prends le chemin de base. Ah, tu étais pas là. D'accord. Est-ce qu'on peut lui faire un petit résumé? Si je dois te faire un petit résumé de la première histoire, c'est qu'il y avait un malfrat. Un malfrat. Un grand méchant vilain qui faisait quoi, en fait, sur l'île de Jack? Il voulait voler toutes les orbes précurseurs ou je sais pas quoi. Il voulait toutes les réunir. Il rassemblait l'écho noir, plutôt, je crois. Il rassemblait l'écho noir. L'ami de Jack, là, qui est Daxter, là, le petit animal sur son épaule, était un être humain. Oh putain, on se retrouve dans le noir. Ok, on y va tranquille. On y va tranquille, ça a marché. Ok, assez près, parfait. Je m'en suis pas mal sorti. Alors, elle est ici. J'ai 3 points de vie, je peux me faire toucher que 2 fois. Est-ce qu'il y a de la santé par hasard? Ok, on peut peut-être passer sur le côté. Caméra un peu bloquée. Un peu complexe cette histoire là. Les gars, j'ai peur que si je me fais toucher... Les orbes, c'est uniquement pour acheter des secrets. Putain. Oh, je m'en sors bien. Maléfique. Magnifique! Professionnel! Professionnel gaming! Oh là là, je m'en suis bien sorti. Oh putain, je crois que tu recommences du début. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais putain! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, c'est une véritable honte. C'est une véritable honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, par contre, j'ai l'impression que j'ai pas les tourelles à détruire. Je pense que ça m'a sauvegardé les tourelles. Salut Anto, bienvenue à toi. Je viens de faire quelque chose d'exceptionnel là, tout de même. Je pense avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Je pense que vous n'avez pas... Oh putain, je pense que vous n'avez pas relevé. T'as vu, le grillage bouge.
plutôt pas mal. Mort par un baiser. Ah, franchement, honteux ce que je viens de faire. Encore heureusement, j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que ça m'a sauvegardé les tourelles. J'ai envie de dire le plus dur est fait. Oh, mais quelle honte! Putain, il y a des fois, j'ai envie de te dire que les coups de poing, ça marche mieux en fait. D'ailleurs, il a été remis à la boutique, le gif honte. Non, je n'ai pas eu le temps. Et je compte le remettre. Ah, ils font chier là, ces petits mobs, n'empêche. Ils font chier ces petits mobs là. Oh, heureusement qu'il n'y a plus les tourelles. Oh là là, heureusement qu'il n'y a plus les tourelles. Ça, c'est un grand pas de fait pour l'avenir vidéoludique. Je gaspille des munitions pour les caisses. C'est pas bon, ça. Comment ça, il a pas mis? Attends, je vais le mettre, mais je vais jouer avec la mandarin. Il a été remis à la boutique, le gift pour le doc. Ouais, comme ça. Alors, attendez, je vais le remettre. Je mets sur pause, je le remets. Attendez. Un instant. Il est très convoité, ce gif honte. Hein. Il est très, très, très convoité. Sachez que c'est la loi de l'offre et la demande. S'il est convoité, il pourrait coûter plus cher. Il pourrait coûter plus cher. Sachez-le. Je plaisante, bien entendu. Bon. Bonsoir, Big Matt. Comment ça va? Bienvenue à toi. Oh, putain. Bon, ici. Je peux pas me transformer. Putain. Oh, putain. Ah non, bah, attendez. Attendez. Si t'as pas la transformation, ici, c'est une galère. Si t'as pas la transformation, ça va être horrible. Qu'est-ce que ça va être après? Ça, on va le récupérer de suite. Bon, ça va. Je l'aurai, la transformation, quoi qu'il arrive. Salut Big Match, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu connais la série Jack and Dexter, un jeu Naughty Dog, sorti en 2003 sur PlayStation 2? Nous jouons sur le Remastered. C'est même pas un Remastered, hein, c'est un portage, je crois. Wam, tu peux sortir de l'autre côté? Comment ça, Wam, tu peux sortir de l'autre côté? Ah, tu connais que de nom. J-10 pour GTA. Je vois qu'il y a des J- depuis le début du live. Hein. C'est vrai qu'on arrive dans la période des sorties. Effectivement. Comment ça, je peux sortir de l'autre côté? Tu veux dire quoi, Anto? Tu veux dire quoi par là? Il me fera toujours peur, lui, hein, cet enfoiros. Casse-toi. Casse-toi. Bon, là, on aura droit à la transformation. Donc, on s'en fout un peu. Voilà, j'ai droit à la transformation. Magnifique. Je demande si tu peux pas sortir par là où tu es entré. Ah! Non, je crois pas, hein. Ouais, mais je peux rater quelques items, non? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il me demande? Ah ben oui, parce qu'on a fini la mission. Consulte crew. Mais oui. Mais j'ai juste à mourir. J'ai juste à mourir maintenant. Non, non, je veux pas recommencer la mission. Mais j'ai qu'à mourir, en fait. Écoute, on va essayer, tiens. On va essayer. J'ai une cible sur mon front, les gars. Avec le gif, la honte, j'ai une cible sur mon front qui est apparue. Est-ce que je peux sortir? Oui, je peux sortir. Mais putain, c'est vrai. Merci beaucoup, Docteur Nintendo. Docteur Nintendo suit avec attention ce jeu. Hein. J'ai plus qu'à sortir, effectivement.
Le contrat est rempli. Donc là, Big Matt, on arrive dans la zone un peu plus ouverte. Un GTA à l'époque, hein, c'est ce que je disais. Je pense que Dr. Nintendo était parti à ce moment-là. Mais je pense que pour Dr. Nintendo, en 2003, c'était son GTA à lui. Parce que je peux voler toutes les voitures, je peux taper les gens. Vous voyez, je peux taper les gens. Je peux voler les voitures, regardez. Hop, j'ai volé une caisse. Ici. Regardez, hop, il arrive au-dessus. Hop, je reste accroché. Dégage, je prends ta voiture. C'est un peu le GTA de Dr. Nintendo en 2003. Un jeu autorisé, bien sûr, à son jeune âge. Putain, sans déconner. Elle est déjà en feu, la moto. Ils abusent. Ils abusent. Les voitures pouvaient exploser comme dans GTA, effectivement, aussi, oui. Elle est en feu, au secours. Va péter la moto. Attention. On passe au secteur suivant. Bon, ça va. Je n'ai pas explosé. J'ai de la chance. Hop, on y arrive. Est-ce qu'on y arrive? Elle a pas pété encore. Oui, c'était mon GTA. Et les armes de plus tard sont plus fun. Sans déconner. Voilà ce qui se passe quand tu regardes un chat. On va attendre qu'il y ait une moto qui passe au-dessus ou une voiture. Voilà, c'est fait. Impeccable. Parfait. Et c'est... Mais il y a même de la brume, hein. Mais putain, il y a 20 mètres, il y a 400 mètres d'espace. Faut qu'ils foncent sur moi, ces connards. 400 mètres d'espace pour circuler. Faut qu'ils me rentrent dedans, ces cons. C'était un plaisir de péter cette moto. Je trouve que le jeu... Il rame un peu ce soir. C'est quoi cette odeur? Ah, super! On fait votre sale boulot dans les égouts et résultat, c'est nous qui empestons les hip-hop mouillés! Ça peut être gênant pour aborder les filles. Non, je crois que c'est plutôt mon déjeuner qui sent. Vous avez fait du bon boulot dans les égouts. Vous voulez peut-être ce dont je vous ai parlé pour améliorer votre arme? Un blaster mode est caché dans une caisse au champ de tir. Si vous le trouvez, il est à vous. Les gars, il faut que je recherche. Il faut que je recherche. Je suis sûr que Cruz est la voix de Sylvester Stallone, alias Rocky. J'en suis sûr, les gars. J'en suis sûr. Attendez, je vais chercher. Je vais chercher. C'est obligé. C'est obligé, c'est la voix de Rocky. Je sais pas pourquoi. Je l'entends. Est-ce qu'il y a le doublage de Crew par hasard? Crew. Qui est Crew? Crew? Alain Dorval. Et il fait SIG aussi en même temps. Alain Dorval. Ah, Nick Nolte. Sylvester Stallone. Si, si, j'avais raison. Pratiquant le doublage, Alain Dorval. Il est notamment connu pour être la voix française régulière de Sylvester Stallone, ainsi qu'entre autres une des voix de Nick Nolte et Danny Aiello. Ben, j'avais raison. J'avais raison, les gars. Sylvester Stallone, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Trouver le blaster mode. Attendez, je vais réécouter ce qu'il me dit, là, parce que j'ai pas bien entendu. Il est où? Il est parti? Il est où, ce con, là? Sur son vaisseau d'handicapé, là. Non. Il est parti. Oui, je suis attentif car j'aime ce jeu. Et que tu me fais de la peine, mon fils renier.
Allons-y, on va voler un véhicule. Après, c'est un vieux jeu. Hein. Les vieux jeux sont durs, les gars. Moi, j'allais me casser la tête à refaire tout le chemin. J'avais plus qu'à sortir, les gars. Bien que moi, pour faire ça, je vous l'ai dit. Regardez-moi ça. 400 mètres d'espace, faut qu'ils me rentrent dedans, les gens, sans déconner. La route est à moi. Arrêtez de partir en cacahuète. La route est à moi, j'ai dit. Wam, tu vas faire quand The Lost Judgment? Ben, c'est pas encore prévu parce que je n'ai pas le jeu. Je pense que je le prendrai en occasion. Mais on le fera. Hein. On l'avait fait passer en vote sur le Discord. On le fera. Maintenant, il n'y a pas de date prévue. Je pensais qu'on le ferait en septembre, mais c'est vrai que là, avec tous les jeux qui sont tombés, pas avec les jeux qui sont tombés, mais avec les demandes effectuées, plus mon manque de temps, je pense qu'on le fera quand je le trouverai en occasion pas cher. Le truc, c'est qu'il y a aussi d'autres points dont je voulais discuter avec vous. Je dois faire Assassin's Creed 4 Black Flag. On va le faire, mais on va mettre en suspens Assassin's Creed Valhalla. C'est bien parce que ça nous fera quand même un comparatif, je pense. Puis Assassin's Creed 4, c'est 18 heures de jeu, c'est pas très très long comparé à Valhalla qui en fait au moins 70. Hein. Alors voyons voir cette arme. Je ne raterai pas les cibles cette fois, je vous le promets. Oh putain! Ah, c'était ça les cartouches que j'avais trouvées! Le blaster est un excellent choix avec une bonne vitesse de tir. Cette arme requiert plus d'habileté pour viser. Tu peux changer de mode d'arme n'importe quand. D'accord, je change les armes ici. Nous, les Renégats, devons agir vite. Tu peux combiner les attaques en donnant des coups de pied. D'accord, en haut c'est le fusil à pompe. La première cible du pied, puis tire tout en donnant ton coup de pied pour toucher la deuxième cible. Alors, donne un coup de pied à ta cible, puis sur R1 pour faire le tir plus un tir plus rapide. Ah, c'est ici que ça se passe. Non, un coup de pied. Ah, c'est ça le coup de pied ? Pas tout à fait. Réessaye. Donne un coup de pied, puis tire presque aussitôt. Donne un coup de pied sur ta cible. Ah, ça, c'est digne. D'accord, c'est pour enchaîner les deux. Il y a des munitions jaunes dans des caisses. Veux-tu tester tes capacités sur le parcours de tir ? Il me pose la question, oui ou non ? Oui, les munitions, c'est bon. Allons tester cette arme, les gars. C'est pas là ? Est-ce que je suis obligé d'aller m'entraîner, sachant que c'est le même principe ? Gagne le parcours de tir du blaster. Ok. Parfait. Allons-y. Bonne chance. C'est un fusil mitrailleur en fait. Je vais buter que les bleus. Hein. Non, mais en fait, il y a les chefs aussi. Hein. Je vais trop vite ou pas ? Non, je vais pas trop vite. Ça passe. Putain, j'ai eu un civil. Calmez-vous, calmez-vous. Mais c'est un truc de fou là, ce temps de tir, sans déconner. On est pas mal là, on est pas mal. Oh, Professional Gaming, vous avez eu ça? J'ai buté aucun civil. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible.
Ah, putain, le civil! Le civil, bordel! Oh, ils sont fourbes! Bien joué! Ah bah, c'est impossible, là. Si, c'est bon, j'ai réussi. Mais c'est impossible! J'ai l'impression qu'il y a une... J'ai l'impression qu'il y a une vitesse... Excellent tir. Excellent tir, les gars. Ah, j'avais pas vu, je ne suis plus sub. Ok, alors, je ne peux pas suivre le live, c'est génial. Le pauvre Docteur Nintendo. C'est un comble, je suis modo sur ta chaîne. Alors, allons-y. Vous voulez essayer de battre le record ? Ben écoutez, on a fait le plein de munitions, on a réussi. On a réussi le parcours de tir, c'est magnifique. On n'a plus qu'à aller consulter Crew. Consulter Crew. Et Thorn. Vite une voiture. Suspect à bord d'un véhicule. Oui, suspect à bord du véhicule. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Alors. Il y a Thorn et Crew. Je serais ravi de retourner voir Thorn, moi. Parce que Crew, Sylvester Stallone, on l'a vu quand même quelques fois. Voyons voir sur la map s'il est mentionné ou pas. Est-ce qu'il est mentionné? Oui, on va aller voir Thorn, ça va changer. Wham, quand tu tires devant un garde, tu deviens recherché. Oui, je sais, j'ai compris. C'est parce que, bon, il est à côté, on va pas perdre de temps, on va aller voir Crew plutôt. Je suis désolé, Docteur Nintendo, j'ai eu la gâchette facile, je dois l'avouer. Il est où, Crew? Ah, il est là. J'ai une proposition pour toi, Jack. Dans cette ville, on aime les courses. Errol est notre grand champion invaincu. C'est un fou du volant et un vrai danger sur le circuit. Tout ce que j'aime. Il faut être insensé pour courir contre lui. Et c'est là que vous intervenez. Une de mes clientes recherche un bon pilote pour son écurie. Prenez ce laissez-passer pour entrer dans la section du stade. Votre contrat, qui numère quelques broutilles. Je signe à votre place pour gagner du temps. Nous, les pilotes, acceptons par la présente de donner à Crew tous nos revenus générés par les courses, les droits de diffusion, la sponsorisation des véhicules, la taxe sur les vitrines, la recette des cartes de collection, le quota sur les promotions des fast-foods, les contrats sur les talk-shows, les lignes de vêtements, tous droits de publication de romans, BD, brochures, banderoles, néons, graffitis dans les toilettes, les droits sur les bagues sensorielles, sur les jeux, sur les vitamines, les pots de vin, les contrats sur les films et bien évidemment, toutes indemnités d'assurance-vie et démembrement. Et on réglera les petits détails plus tard. Si vous parvenez au garage, qui est à côté du stade, en moins de 3 minutes, ma cliente examinera votre candidature pour vous laisser intégrer son écurie. À vous de jouer. Bien, une petite course, ça va un peu faire évoluer le gameplay. Laisser passer vert acquis, parfait. Je vais plutôt prendre une voiture parce qu'on a un peu d'expérience quand même. Oh, elle est pas mal cette voiture. Où je dois aller là? Au garage? Ah, c'est ça, je peux tirer? Comment je tire avec cette soucoupe? Donc, je sais juste que c'est un véhicule des Stormtroopers. Il a l'air d'être bien costaud, mais comment je tire? Par contre, attention, elle a du mal à tourner. Hein. Par contre, c'est un tank, le bordel. C'est un tank.
C'est à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Suspect à bord du véhicule. Putain, elle veut pas tourner sans déconner. Hein. Encore, elle veut pas tourner. C'est par là ou pas? Putain, c'est pas par là. Mais putain de merde! Bon, elle est costaud par contre. Hein. Oh là là, mais c'est quoi? C'est... Bon, c'est effectivement un tank. Costaud, mais difficile à piloter. Hein. Extrêmement difficile à piloter. Saloperie! Putain! Putain, ah, c'est chronométré en plus! J'aurais pas dû prendre cette voiture! Bordel! La catastrophe! Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est 55 secondes? Putain de merde! 47 secondes! C'est chez Thorne ou pas? Commence à être enflammé. 39 secondes. Coup de pression. Mais c'est quoi ça? Ça a changé. Le chemin a changé. 28 secondes. 28 secondes. Mais qu'est-ce que c'est par où? 13 secondes. On est dans la merde. C'est là. 8 secondes. Non, ce n'est pas là. Oh non, je suis loin encore. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je suis loin. Alors, échec de mission, voulez-vous réessayer? J'ai carrément pas pris le bon véhicule. Hein. Crew, tu devrais y arriver dans les 3 minutes. Wham, après... Ah. Wham, ah, parce que c'est chronométré. C'est tout moi. Effectivement. Bon, utiliser un véhicule, attention, on va prendre un truc un peu plus rapide. Par contre, faudra que je touche des gains. C'est chaud de regarder la map et en même temps le... Je crois que j'ai buté un soldat, les gars. Ouais, ça va être beaucoup plus simple, là. Hein. C'était quoi le plus simple, là? La map, c'est quoi le plus simple? Parce que je crois que je rentre... Non, j'ai pas le choix. Donc, c'est où que je dois aller? Je dois aller au stade. Donc, je dois faire... donc là, je prends à droite. À droite. Ok, là, j'ai juste... Là, faut que j'ai juste allongé. Si ta map clignote en rouge, c'est que c'est pas bon signe. Oui, oui, j'avais compris, Top Top. J'avais compris. Donc là, ça va. Ici, au bout, à droite. Voilà. Ensuite, je longe le mur de gauche. Ici. Bon, ça devrait le faire normalement. Ok, ici, il vaut mieux prendre là, du coup. Parfait. On est en avance, hein, comparé à tout à l'heure. Oh putain. Oh putain, sa race maudite. Ok, on est pas mal. Alors ici, on va regarder. On va regarder à partir de là la map. Voyons voir. Du coup, ouais, le mieux, c'est de prendre à gauche et de filer tout droit, là. Ouais, ouais, je prends à gauche au prochain bâtiment. Alors, on a découvert en tôt que le slot...
on a découvert que le slot, le 3 serpents, c'était x5. Merci encore à Toptof d'avoir gagné ce slot. Bon, ici, toujours tout droit. Toujours tout droit ici. À fond. À fond. À fond. Ensuite, ici. À droite. 50 secondes pour arriver au stade. Et c'est pas bon, là. C'est pas bon du tout, je me suis trompé. Oh putain, je me suis trompé. Oh putain, non mais elle est dure cette mission, bordel de merde. Je me suis trompé. Faut que je fasse demi-tour. Là, faut que je prenne un premier à droite. 42 secondes, mais c'est pas possible. J'ai mieux fait tout à l'heure avec le... avec le tank, sans déconner. Putain, 29 secondes. Secondes. Faut que je prenne, faut que j'en prenne un qui aille beaucoup plus vite. Putain, c'est à droite là. 17 secondes, c'est mort. 7 secondes. Bah c'est pas possible. Ah ben vive Snake. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Non mais ils sont sérieux là? Y'a pas des boosts ou quelque chose là? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un timer qui est quand même hyper serré, là. Parce que... le timer est assez short, effectivement. Ben, clairement. Clairement que le timer est assez short. Putain, là, faut que je prenne à droite, là. À droite, et après, je connais. Putain, sa race maudite. Possible. C'est un timing de fou là. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression d'avoir été plus loin avec le tank. C'est un truc de fou. On va commencer à s'énerver, je crois. On va commencer à s'énerver. Ok, là, je suis la faille. Je suis la faille. Une minute vingt, sans déconner. C'est pas là du tout, là, j'ai... putain, c'est ici que je perds du temps, là. Faut que je prenne où, là? J'ai fait tout le tour, là.
Ok, c'est bien. Non, c'est la deuxième à droite. Ici. Une minute. C'est pas là, putain! Mais putain de merde! Sept secondes. On passe à droite là. Mais putain! Mais sans déconner, ils sont sérieux là? Elle avance plus la voiture, elle avance plus, putain! Mais sans déconner! Mais je suis même pas au bon endroit! C'est bien au stade que je dois aller. Il est où ce putain de garage? Elle est où ce putain de clé à molette? Non, elle est là la clé à molette! Putain, je me suis trompé, j'aurais été bon là, à 10 secondes près! Putain, bon, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Ouais, mais si tu rates encore, prends-toi 2 minutes pour te faire un chemin dans ta tête. Non, je l'ai le chemin. Par contre, je crève de chaud, je vais enlever mon pull. Un instant. Je crois que c'est parce que je bouillonnais. Je pense, j'avais chaud parce que je boudais. Votre GPS est pas très fiable. Effectivement. Le GPS est à revoir. Hein. Bon, sinon, là, j'étais pas mal. Hein. Ah, putain, non, mais sans déconner. J'étais vraiment pas mal. C'est juste qu'au dernier virage, je me suis trompé et j'étais trop loin. Bon. On va y arriver. Go, c'est parti. C'est plus le pilote qui n'est pas fiable. C'est plus le pilote qui n'est pas fiable. Effectivement. Je valide aussi ce propos, monsieur Dr. Nintendo. Bon, on y arrive maintenant, là. On y arrive maintenant, les gars. Hop, on va pas perdre de temps. On va regarder la map, là. Faut que je prenne à droite, là. À droite, ouais, c'est ça. Putain. Bon, j'ai pas perdu trop de temps, ça va. Ensuite, là, à gauche. Ouais, faut connaître par cœur ton chemin, hein. Faut vraiment connaître ton chemin par cœur. Sinon, c'est dead. On prend tout à fond, là. Ok. Ensuite, on suit la faille. 1 minute 45. On suit la faille. Ok, on prend à droite. Je pense qu'on perdra moins de vitesse. C'est plus... C'est moins... Il y a moins d'espace, par contre. Hein. Ok. Ici, on prend à gauche tout de suite. Ok. Map. Donc là, je peux prendre un... Faut que je prenne... Là, je prends à gauche, je longe et je vais tout droit. Les courses, c'est pas la même que dans nos jeux de maintenant. Et encore, c'est les premières courses. Oh, ça veut dire qu'il y en aura d'autres, ça? Ça veut dire qu'il y en aura d'autres? On n'est pas dans la merde. Hein. On n'est pas dans la merde.
Ok, je longe maintenant ici et je file tout droit. Non, je me suis trompé, bordel de merde. Ouais, c'est celle-là. C'est juste à gauche, là. Bord du véhicule. 50 secondes. Faut pas que je me trompe, là. Faut pas que je me trompe. Bon, c'est encore loin. C'est encore loin. Je suis obligé de passer là. 45 secondes. Ok, est-ce que c'est là? Ok, effectivement. C'est là, faut que je reprenne à droite. Et que je suis le canal après. À droite et je suis le canal. Là. Et je suis le canal. Putain! Mais putain! Ok, c'est ici. 16 secondes, on est pas mal. Oh putain! Bonjour? Crew nous a dit que quelqu'un cherchait un pilote. Je suis occupée là! Vous êtes les nouveaux coursiers de Crew? Écoutez, sans vouloir être désagréable, vous avez fait vite pour venir ici, mais je ne cherche pas de nouveaux pilotes. C'est Chloé. Hein. Et j'ai pas mal de travail. On peut faire quelque chose? Non! Je travaille sur un prototype ultra secret. Ok, désolé. Écoutez, si vous pensez avoir les tripes pour courir dans cette ville, essayez mon prototype de jetboard qui se trouve sur le parcours du stade. Et si vous gagnez le challenge du stade, j'examinerai votre candidature. Hey, il sait pas qu'il peut tomber amoureux de Chloé, là. Sans déconner, j'ai reconnu sa voix, c'est sûr que c'est elle. C'est sûr que c'est elle. Y'a pas moyen d'y aller? Sans déconner. Bon. On va aller faire la course. Putain, elle m'aura fait rager quand même. Elle m'aura fait un petit peu rager ce... Putain, ça veut dire qu'il y en aura des plus durs encore? Des trajets plus durs. Elle m'aura fait rager, franchement. Alors, c'est elle, mais c'est pas Chloé. Alors, comment ça, c'est elle? C'est elle, mais c'est pas Chloé. C'est quoi? Mais, en fait, on est vraiment dans une autre dimension, là, de ce que j'ai compris. Elle est où? Elle est où, cette course, là? Ah, c'est ici. Bien, le jetboard. Tu peux sauter plus haut en te baissant d'abord. Ah, je me baisse et je saute plus haut. Saute encore et encore, un peu après avoir atterri, pour une plus grande impulsion. Essaie de monter sur ce plus haut rebord avec un saut propulsé. Alors, après avoir atterri. Essaie de monter sur ce plus haut rebord avec un saut propulsé. Ouais, c'est ça. Boost jump, appuie sur croix juste après avoir atterri. Essaie de monter sur ce plus haut rebord avec un saut propulsé. Quel rebord là? Quel rebord il me parle? Alors je crois que c'est plus une autre temporalité. D'accord. Essaie de monter sur ce plus haut rebord avec un saut propulsé. Mais quel rebord il me parle là? Je vois pas de rebord là. Essaie de monter sur ce plus haut rebord avec un saut propulsé. Mais putain! Essaie de monter sur ce plus haut rebord avec un saut propulsé.
Alors le robot... Ah, ici! Putain, sans déconner. Un saut propulsé. Et pourtant, j'étais... J'étais baissé, hein. J'étais là. C'est vraiment just, hein. Faut faire ton double saut juste avant. D'accord. D'abord que je me baisse. Parfait. Tu peux atterrir sur un rebord et grinder dessus. Essaye de grinder sur ce rebord. Alors, je peux grinder sur le rebord. Faut que je reste appuyé ou quoi? Aveugle man. Ouais, d'accord, faut rester appuyé pour grinder. Alors, appuie sur croix puis R1. Tu peux faire des flips en sautant. D'accord, le flip. Tu peux aussi faire des acrobaties. Appuie sur croix puis L1. Combine les figures pour gagner des points. Gagne assez de points pour remporter le défi. D'accord. Active l'arbitre pour commencer la compétition. Il est où l'arbitre? Ah, c'est ici. Ok. Ok. Le but, c'est 15 000. Pas mal, 3 000 points. Parfait. Putain, mais c'était Tony Hawk avant l'heure, là, les gars. 9 000 points, 1 500 points. 3000 points. Easy, les gars. Bronze. Tony Hawk avant l'heure, clairement. En plus, il peut pas tomber, les gars. Je peux tout enchaîner comme ça, direct. C'est un truc de fou. 50 000, le bronze. Donc là, j'ai le bronze. Ça, ça, ça. Je peux pas ressortir d'ici sans déconner. Pas mal, retourne au garage. Bon, voyons voir qui est cette demoiselle. C'est ici qu'on retourne au garage. Et je pensais que c'était des courses de voitures, moi. Je pensais pas que c'était des... Je pensais pas que c'était des courses de skate, sans déconner. Ah, c'est là-bas. C'est là-bas, j'ai vu la lumière. Comment on fait pour y aller? Par là, peut-être? Ouais, c'est par où je suis rentré. Non, faut que je fasse le tour. Faut que je grind. C'est pas grave, on peut passer par-dessous. Il y aura des courses de voitures, là c'est surtout pour te donner un truc bien utile. Ok, ok, je pense que ça va être beaucoup plus simple de se déplacer avec cet objet en ville, s'il est utilisable. Hein. S'il est utilisable, bien entendu. Voyons voir. Publicité. Une autre publicité. Alors. Alors, retournons au garage et on va certainement découvrir Chloé. Voyons voir.
C'est là le garage. On a gagné le challenge du stade. Bravo, vous en avez de la chance. Dites, vous n'avez personne à qui aller prendre de l'argent ou à éliminer, je sais pas moi. Vous ne nous aimez pas, hein? Vous travaillez pour cette grosse limace de crew, pourquoi je vous aimerais? Vous avez gagné quelques courses, on dirait. C'est vrai que le champion de la ville visite le palais? Ouais, pourquoi? Vous pouvez me faire entrer? Pour une visite de courtoisie, bien sûr. Ouais, je suis un vrai fan du baron. D'accord, je vous aiderai, si vous me laissez travailler. Il y a un vieil ascenseur de maintenance au pied d'une des tours piliers du palais. Ce vieil engin peut vous faire entrer dans le palais, si vous trouvez le moyen de le réactiver. Ok, il faut réactiver un truc, apparemment. C'est toujours les missions de crew, ça, mais par l'intermédiaire de cette demoiselle derrière ce rideau. Allons-y. Alors... Non mais j'avoue que je suis surpris par la grandeur de la map, hein. Vraiment surpris. On va voler une voiture peut-être, hein. Parce qu'il faut pas déconner non plus. N'oublie pas que Thorn a une quête pour toi, oui c'est ce que je pensais, hein. On va aller voir Thorn plutôt cette fois. On va aller voir Thorn. On n'est pas loin de la ville. Putain, mais on va se perdre là-dedans, c'est pas possible. On va se perdre. Allez, cassez-vous. Wham veut passer. Alors... À tous les citoyens de cette grande ville, amis. C'était pas là. C'était ici. Ah, il y a des dégâts sur les véhicules. Je viens de voir qu'il y avait des dégâts sur les véhicules. Bon, Thorn, qu'est-ce qu'il veut? L'une des exploitations minières du baron subit les assauts des Metalheads. Ça, c'est pas notre problème. Ça le devient si le chef de l'exploitation est l'un de nos meilleurs informateurs. Il s'appelle Vin et nous devons lui venir en aide. Trouvez le téléporteur à la centrale et servez-vous-en pour vous rendre à la carrière. Et sauvez la peau de ce cher Vin. Hé, hey, le tatoué! Pourquoi on se tape l'émission des plus nazes? Parce que... je ne t'aime pas. Ça se tient. Quel que soit le marché que le baron a conclu avec les Metalheads, l'écho de la ville est presque épuisé et le temps presse. Si le gamin ne récupère pas sa place sur le trône très vite, il y aura bientôt plus de ville à défendre. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais franchement, si t'enlèves Ratchet, tu perds peut-être 50% de l'intérêt humoristique du jeu. Je pense, hein. Puis sans Ratchet, le jeu serait clairement pas le même. Toutes les interventions de Ratchet sont super cool. On va aller là-haut. On va le faire à l'instinct. On va pas regarder la map. Ratchet, pardon, Daxter. Pardon. Oh, franchement, la honte. Ratchet, j'ai dit Ratchet.
j'inverse les noms, je fais n'importe quoi, je sais pas conduire. Ah là là, franchement. Là, un de mes potes, il me dirait, mais tiens, un cabinet, c'est pas possible. Espèce de cabinet que tu es. Ça y est, maintenant, avec Confort Ratchet et Daxter. Non, mais franchement. À croire que Ratchet m'a marqué. Hein. Ouais, ça y est, on est arrivé. C'est ici. C'est à l'étage, je crois. Déjà, il confond la beloutre et le lombax. J'avoue. Ah, mais je deviens sénile, les gars. C'est pas possible. Je deviens sénile. Mais c'est où? C'est ici, non? Pitié! Pitié au secours! Ah, le fameux portail, comme dans le 1. Ah, ça nous mène où, là? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des streams de qualité, il y a les streams moyens, il y a les streams pourris, et puis il y a Wahoo. J'avoue. Putain, mais je vais en faire des... Putain, j'ai envie d'utiliser le... Ah ouais, ça les one-shot. Le blaster, ça les one-shot. Ça les one-shot. Écoutez, je vais récupérer déjà toutes mes orbes. Il m'avait... L'oracle, il m'avait demandé combien d'orbes, là. Oh putain. Il m'avait demandé combien d'orbes, l'oracle. 50? Ah ouais, ça tire beaucoup plus vite, hein, effectivement. Mais où je dois aller, là? Bon, tant que je récupère des orbes, moi, ça me va. Ah ouais, j'avoue que cette arme, elle envoie du lourd. C'est 200 pour l'oracle. Merci beaucoup, Toptof. Putain, mais je l'ai pas vu! Il n'y en avait pas un qui me suivait, là? Putain, mais il y en a trop, là! Attendez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sauve Vin à la carrière. D'accord, à mon avis, c'est parce qu'il y a beaucoup de mobs. On récupère les orbes. 40. Parfait. Putain, mais il y en a partout! Mais sans déconner! Mais putain de merde! Mais putain! Faut que je récupère des munitions là. J'avoue qu'elle envoie du lourd quand même. Est-ce qu'on a un endroit où aller sur la map? Good luck, Wamus, Devius. Des anus. Alors attends, on n'a rien sur la map. Ça risque d'être tendu, effectivement, Docteur Nintendo.
Je sais pas où je vais, c'est super grand en fait. Oh, quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc? On peut pas y aller? On peut pas aller ici. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Ok, d'accord, c'est la mort immédiate ici. Ouh. Attendez, attendez, comment ça se fait qu'il a divisé son nombre de points là? Attendez, attendez. Top Top, il a joué 55. Ah, il a gagné 110. Donc c'est ça, les ailes c'est bien x2, ça on le savait pour les ailes. Le gars disait quand même qu'il n'y avait pas trop de plateformes. Ben oui, c'est ça, je suis assez surpris Docteur. Ah ouais, non mais Top Top là, le... Si le slot est plus compliqué à remporter sur Twitch, pour Top Top ça change rien. Et les triples manettes, ils tombent pas souvent par contre. Le triple manette, on sait toujours pas ce que c'est d'ailleurs. Bon, on va essayer d'aller au fond. Putain, mais c'est pas possible. Bon, j'ai eu de la chance que quand je les touche, ils ont un petit peu de recul. C'est pas possible. Bon, on va essayer d'aller au fond là-bas. Il manque un lock, hein, quand même. Putain. Il manque un lock, les gars. Clairement. Des coups de poing, des coups de pied. Mais j'ai l'impression que je me fais plus toucher quand j'envoie des coups de poing, des coups de pied. Parce que je suis au corps à corps. C'est ça le problème. C'est que j'ai l'impression que je suis plus vulnérable. Ok. Putain, mais saloperie! Putain, mais y'en a trop! Plus de munitions, plus dans la merde. Je vais utiliser ça. Mais putain! Mais l'ulti, j'ai voulu l'utiliser, mais il a pas voulu se déclencher. Écoutez, on va spammer le bouton rond. Le pire, c'est que j'ai l'impression que je me fais moins toucher. Ça va être une catastrophe. Bonsoir chef Puma, comment ça va? Tu vois, c'est pire les coups de poing, les coups de pied. Comment ça va chef Puma? Bonsoir chef Puma, on n'est pas sur un stream de qualité. Il y a aussi ton autre arme, elle est pire. Elle est pire. Elle est pire, mon autre arme. Oh, je les déteste. Ces aliens, je les déteste.
J'ai pas de zone safe en plus. Il y en a toujours qui arrivent. Mais ça va nickel. C'est fin des vacances demain. Ça veut dire que tu reprends demain les cours, c'est ça? Et c'est bizarre, je pensais que les vacances scolaires, c'était... C'était la semaine prochaine, la fin des vacances. Après, je sais pas s'il y a des zones ou pas. Et ignoble, ignoble. Ce passage est d'une difficulté incroyable. Regardez-moi ces aliens de merde. De la vie là-bas, de la vie. Ça arrive dans tous les sens, bordel. Ah, peut-être de la santé si j'ai de la chance. Non, ce n'est pas de la santé. Et là-bas? Ah oh, putain, rien. Ben, j'avais qu'une semaine de vacances, pas deux. Bon. C'était par là ou par là? Je crois que c'était par là. Hein. C'était par ici. Putain, sans déconner. Cette jouabilité. On va y aller comme ça, en mode bourrin. Pas de santé. En mode bourrin. Putain. Je vais arrêter de les bombarder les premiers. Mais je te dis d'alterner dans, selon les situations. Car je te vois spammer l'arme, jaune. Alors qu'il y a des... plein de petits ennemis. Tu balances un gros coup de rouge. Et c'est bon. Et... je te conseillerais d'y rejouer, Docteur Nintendo, parce que le problème de l'arme rouge, je suis d'accord avec toi, elle a un champ d'action important, qui est à peu près de 110 degrés. Le problème, c'est le temps de chargement qu'il y a entre deux coups. C'est ça le problème du fusil à pompe. C'est ça le problème. Si je l'utilise pas, c'est qu'il y a une raison. Parce que là, quand tu me vois tirer entre deux coups... c'est... voilà. Il y a un temps de latence. Il y a un temps de latence entre deux coups, voire même le premier. Ça veut dire que quand j'appuie, il y a pratiquement une seconde d'écart. Voilà. Là, vous en avez la preuve. Donc pour les coups ou pour les attaques de masse, c'est compliqué. Alors que pour le blaster, je veux de la santé là. Le blaster, l'action entre lorsque j'appuie sur la gâchette et le tir à l'écran, il est infime. Je te dis ça car j'ai le jeu actuellement entre les mains. Mais non, je suis pas d'accord. Me dis pas que le fusil à pompe, il tire instantanément. Ah, de la santé, très bien. Ok. Putain de... en fait, pour les petites bestioles, je suis d'accord qu'il faut utiliser le fusil à pompe. Le problème, c'est celle qui arrive dans le dos aussi. Voilà, celle-là, par exemple, celle qui arrivait dans le dos. Très compliqué, hein. Bon, après, c'est un jeu d'époque, hein.
putain, je l'ai pas eu, tu vas me dire? Ok, pas mal du tout. Putain, qui c'est qui a dit qu'il n'y avait pas de jeu de plateforme? Ok, je l'ai buté. De la santé, ça serait cool. Merci bien. Justement, c'est bien que ce soit compliqué. C'est ce que j'aime dans un jeu, c'est quand il me résiste. Mais oui, je suis complètement d'accord. Le gameplay est comme ça. Chef Puma, il a joué 666 et il a perdu. Pauvre Chef Puma. Pauvre Chef Puma. Alors, où il est ce vide là? Faut que je monte sur ces plateformes là. Hein. Et je vous rappelle que le testeur sur jeuxvideo.com, il a dit qu'il n'y avait que très peu de zones de plateforme. J'ai de la chance là. Je m'en sors bien là aussi. C'est là? Oui, c'est ici. Approchez pas! Fais quelque chose, Jack! Ce type est taré! Hey! C'est vous, Vin? Tu calmes! Thorn nous envoie! N'approchez pas! Écoutez, si on avait voulu vous tuer, on l'aurait déjà fait depuis longtemps! Oh! Désolé! Oh! Merci, mon Dieu! Nous, alors, mais, où sont les renforts? C'est nous! Quoi? Que vous deux? Oh, c'est donc tout ce que je vends, hein? Je commence à me le demander aussi. Si vous voulez rester là et servir de repas aux Metalheads, ok. Daxter et moi, on s'en va avant que ces monstres ne débarquent. Ah ben, je suis ravi de partir de cette zone. Sauvetage effectué, magnifique. Hé, les gars, je voulais vous remercier. À la carrière, vous m'avez tiré du pétrin. Et merci à vous d'être un aussi mauvais tireur. Ah oui, vraiment désolé. Oui, je suis un peu sur les nerfs ces derniers temps. Sur mes nerfs? On n'avait pas remarqué. Ah, allez, à l'aide, là, derrière vous! Où ça? Où ça? Où ça? C'est énorme. Ah non. Je rigole. Bien réagi, en tout cas. Ah, mais les scènes de Daxter. Ces métalheads ont attaqué nos exploitations minières et nous allons être à court d'écho. L'écho permet aux murs protecteurs de la ville de fonctionner. Et sans ces murs, eh bien, on peut faire nos prières. Je leur réserve quelques surprises à ces Metalheads. Faites que les murs fonctionnent jusqu'à ce que le Sphinx trouve une solution. Mes relevés indiquent une chute du flux d'écho à la plateforme de forage. Encore un nid de Metalheads qui pompe de l'énergie. Allez-y avec le téléporteur et détruisez tous les œufs de Metalheads que vous pourrez trouver. Non mais franchement, là, la scène avec Daxter, en lui faisant croire qu'il y avait un Metalheads derrière lui, c'est digne des plus grands films comiques mondiaux. Hein. Alors on prend le portail, et c'est la fête aux Metalheads, si je me trompe pas là. Il nous demande de quoi? De nettoyer la zone en fait? Détruit les œufs à la plateforme de forage, d'accord. On peut consulter Crew et Thorn encore, hein. Alors... Putain, ça m'a fait mal aux yeux. Le fusil à pompe, là. Le fusil à pompe, on a dit. Une petite bestiole, c'est le fusil à pompe. Putain, ils en donnent des orbes, là, de Metalhead.
Ah, ils veulent que je me transforme là. Comment ça marche? Comment ça marche? Ah, d'accord, ça n'avait pas fait tout à l'heure. Et où je dois aller? C'est ça les œufs? Attendez. Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, je peux utiliser la grue. Ah, c'est avec ça que je vais détruire les œufs. Bon, par contre, c'est inversé, ça m'énerve. D'accord, je vais détruire les œufs avec ça. Et c'est... Oh putain, il y a des mobs, d'accord. Oh là là, par contre, attendez. Faut détruire les yeux. Passe une bonne nuit, Top Top, merci d'être passé. Qu'est-ce que je peux faire là pour les touches? Parce que franchement, il y a un truc à faire. Option sonore, option graphique, option de jeu. Il n'y a pas moyen d'inverser les... Putain, s'il n'y a pas moyen d'inverser les trucs. Meilleur score. Afficher la carte plateforme de forage. Oh putain, je suis dans la merde. On peut pas inverser. Putain, on peut pas inverser. Je suis dans la merde. Bon, faudra faire avec. Donc là, t'as allumé ta PS2. Docteur Nintendo. Et tu joues en même temps que moi, c'est ça? Ok. Et c'est fou parce qu'il y a vraiment beaucoup de gameplay différent là. Hein. Entre le skate, les voitures, les gatlines. Faut que je fasse attention de pas la mettre en surchauffe. Oh putain, je l'ai pas vu. Ok, il y en a un autre ou pas? Ici. Salopard, viens là. On se croirait dans Battlefield 2042, les gars. Hein. Sur la tourelle. Bon, où sont les œufs là? Ok, ma santé, elle est sur la jauge. Ah ouais, je peux détruire le mur là. Bon, on va finir tous les œufs et on va passer en bas là. Ok, il y en a plus. Il y en a plus, si. Il y en a encore. Oui, pour voir s'il y a des trucs pour te débloquer. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Docteur Nintendo. Donc, dès que tu fais un passage, tu attends et tu... Tire sur tous les œufs de métalettes, Jack. Oui, mais j'ai buté tous les œufs là, non? Est-ce que j'ai fait tous les œufs là? On est d'accord. Si j'y retourne, ça fait quoi? Je peux y retourner. Est-ce que je peux buter celui qui est ici, là? Non, je peux pas le buter. Il y a plus d'œufs là, hein, on est d'accord. Hein. Il y a plus d'œufs. Il n'y a plus d'œufs. On n'a pas eu tous ces affreux œufs. Bon, celui-là. Il va me rendre fou, je crois. Ah putain, je descends en dessous là. Ok. Une orbe. C'est bizarre parce que le jeu, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins fluide qu'hier. Je trouve ça bizarre. C'est bon.
Oh putain, attention. Ok. Je voulais dire, je peux accéder au chapitre comme je veux. Ah, d'accord. Oui, parce que tu as toujours ta sauvegarde de 2003. Pas magnifique, ça ? Extraordinaire. Ok. Alors ensuite, on va où ? On peut faire péter ça, là ? On peut aller derrière. Il y a un petit œuf derrière. Ok. De la santé, merci bien. Et on va où après ? Non mais c'est fou d'avoir quand même changé autant l'ambiance du jeu, quoi. En tout cas... Où je dois aller, là ? Je n'y ai touché qu'en 2012. Je suis né en 2002, donc j'y ai pas joué en 2003. Oui, autant pour moi, autant pour moi. Je n'y ai touché qu'en 2012. Putain, ça veut dire que quand il a joué, le jeu, il avait déjà 10 ans. C'est un truc de fou. Je ne vois pas ce que je peux faire ici, hein. Je ne vois pas ce que je peux faire ici. Je ne vois pas ce que je peux faire ici. Qu'est-ce que je peux faire ? Putain, je suis bloqué. Et si je tire là-dessus ? Non. Il te resterait pas un œuf ? Ah, peut-être, hein. Je vais retourner là-bas, on va mieux regarder. Ah putain, regarde-moi ça. Il est là-haut. Ah, c'est enfoiré. Bon, du coup, on y retourne. Pour un œuf. Un petit gamble de chef Puma. On va faire un petit top hour. Je crois que Dr Nintendo est passé devant Chef Puma. Top hours. Dr Nintendo, ouais, ça se joue à rien. 43,75 pour Dr Nintendo. 43,58 pour Chef Puma. Ça se joue vraiment à 0,10 quoi. Je remonte encore. Putain, cet enfoiré. Oh non, mais il en plus pire, c'est qu'il avait raison, Dr Nintendo. Et oui, de toute façon, il était marqué le nombre d'œufs, hein, voilà, zéro. C'était marqué, j'avais pas vu. Je me disais bien que c'était pas normal, mais le pire c'est que j'avais le nombre qui s'est affiché. Bon, est-ce qu'il y a un truc à faire ? Bah ça change rien pour moi là, hein. Je vais pas gaspiller les munitions quand même. Alors il y a un endroit où je vais pouvoir je peux monter peut-être ici. Ok, ensuite ici. Ici. Ok. Qui a dit qu'il n'y avait pas de plateforme ? Les plateformes, je crois que tu peux les descendre en tirant dessus. Mais écoute, non, fallait monter pour le moment. Oh putain, je fais y tomber. Qu'est-ce que je peux faire là ?
Qu'est-ce que je peux faire là quand je suis ici? Ah oui, d'accord. Ok. Oh les bâtards! Non mais tu meurs et en plus derrière! Mais t'es sérieux? Oh, ils ont remis les mobs? Oh putain! Oh mais comme c'est traître! Oh putain, écoutez, on va essayer de se dépêcher là. Oh les enfoirés. Est-ce que je peux sauter là directement? Oui, je peux. Oh, c'est passé juste. Oh, le redeem fail. Attendez, non mais franchement. Attendez, peut-être qu'ils vont me donner de la santé. Je trouve qu'ils donnent pas beaucoup de santé, hein. Ah, je dis ça, ils m'en donnent. Merci bien. Ok. Ok. Faut pas que je perde de temps après, en fait. Hein. Faut pas que je perde de temps. Donc on va tirer dessus plutôt pour gagner du temps. Et la plateforme, faut pas la rater parce que dessous, c'est la mort. Hein. Dessous, c'est la mort. Vite! Mais putain de ta race maudite! Putain! Saloperie! Mais putain! Tu es spécial, Wam. Non mais franchement! Arnaque! C'est de l'arnaque! Récupérer quand même la caisse derrière. Tout à l'heure, il y avait... On va voir si jamais c'est du RNG, les caisses. Non. J'ai l'impression que c'est pas du RNG parce qu'il y avait bien de la vie tout à l'heure. Et ils m'ont remis de la vie ici. Ah là là, comment on pourrait s'en passer, cette emote des fails. Oh putain. Oh putain. Ah, j'avoue que l'emote du fail, il est devenu la base. C'est devenu la base. Je comprends quand tu as joué à des jeux comme ça dans ta jeunesse, Dr. Nintendo. Bien, parfois, c'est plus toi l'arnaque que le jeu. Je dois avouer que les jeux sont mal faits. Oh putain, mais ma manette, elle part en couille là, ça y est. Vous avez vu? Oh putain. Oh, mais vous avez vu? Je sais pas, mais je crois que c'est ma manette qui déconne, les gars, là. Si ça me fait ça en pleine phase de plateforme... Je pète un plomb.
En fait, d'un coup, ma manette, elle a 4 secondes de retard sur les touches. Et je l'ai déjà dit que ça le faisait sur Minecraft. Là, ça vient de me le faire. Vraiment, quand tu m'as donné l'opportunité d'une emote, j'ai direct pensé à un truc fail. À 5 ans, j'étais sur la NES à jouer à Super Mario Bros. Ouais, j'imagine. Ok. C'est fou parce que je crois que je vais reprendre mon autre manette. Hein. J'ai eu peur, hein. Oh putain, il va en avoir plein. Ça va s'effondrer ici, je le sens. Il rame un peu le jeu, je trouve, hein, quand même. Putain, pour un remastered, ils abusent. Hein. J'ai failli tomber. C'est bon. On vient plus m'emmerder. Waouh, 5 ans, j'étais sur le V-Smile, moi. Alors attends, à 5 ans, j'étais sur la NES. Wow, à 5 ans, j'étais sur la V-Smile, moi. J'ai toujours aimé les jeux difficiles. Je n'aime pas quand un jeu ne me pose pas de soucis. C'est quoi le V-Smile? Ben écoute, Docteur Nintendo, tu devrais faire du Dark Souls, hein, franchement. Si t'aimes les jeux qui te rendent l'appareil sur la difficulté, faudrait te mettre à Dark Souls, hein. J'en suis sûr que t'aimerais, hein. C'est du RPG, Dark Souls, hein. Qu'est-ce qui a fait que tu ne joues pas à Dark Souls, Docteur Nintendo? J'aimerais bien savoir. Allez, on a des œufs à défoncer, les gars. Bon, les mobs d'abord. D'abord les mobs. Où c'est qu'il y a du mob, les gars? Ici. Qui c'est qui me touche ici? Ah mais me disent où ils sont en plus. Ok, c'est pas mal. Ok. Ensuite. Là, c'est moi qui ai ouvert le passage, hein, si je me trompe pas. Parfait. 10, il en reste 10. Ils sont là-haut. Ah,
Alors, c'est la meilleure console de mon enfance. C'est vrai que j'ai jamais pensé à me faire du Dark Souls. Sur Switch, il y a Dark Souls Remastered. Hein. Il est très très bien fait, il y a l'évolution graphique et le lissage. C'est juste qu'il est pas en 60 FPS. Je viens de voir les images, c'est quoi cette console d'avant Wish ? Et qu'est-ce que... Anton qui est là depuis hier, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en pense de ce Ratchet pour le moment. Putain de saloperie, de merde. Je me suis fait violer sans déconner. Je me suis fait violer sans déconner. J'aime pas beaucoup le temps de latence du fusil à pompe. Hein. C'est pour ça que j'utilise pas. Hein. Ratchet encore ? Putain. Et pourquoi j'appelle ce jeu Ratchet sans déconner ? Et je déconne là. Qu'est-ce qu'il en pense de ce Jak and Daxter ? Mais t'es sérieux ? Mais t'es sérieux là ? Non, mais ils te font recommencer ici en plus. Wham meurt dans 3, 2, 1, 0. J'ai pris 20 secondes pour moi, les gars, parce que j'en avais besoin. J'en avais besoin. Ah, c'est à l'ancienne. Bon, je sais ce que je dois faire. Je dois économiser ma vie. GG inversé. Bon, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de buter les œufs. Lui, comment je peux faire pour le buter ? J'ai l'impression que je suis obligé de me faire toucher par lui, là. Ah, putain, sans déconner. Ouais, non, 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 c'est des... Il faut attendre qu'il tire en esquivant son tir et en profiter. Ah ouais, je tire avant, effectivement. Et après, je suis Keblo. D'accord, ok. Putain, faut l'esquiver son tir aussi à lui, hein. Ah, il y a des caisses là-bas. Je savais pas qu'il y avait des caisses. On va aller voir ce que c'est. Ah, mais je les avais prises tout à l'heure, non ? D'accord, c'est que des munitions. Après, je peux me transformer aussi. Bon, je peux faire la spéciale. Je peux faire la spéciale au pire.
Ces mobs-là, ils sont dans... Ces mobs-là avec les hélices, ils sont dans... Comment ça s'appelle? Ils sont dans Ratchet & Clank, hein. Wham qui tire sur les caisses de munitions pour en récupérer des munitions. Ouais, j'avoue. Parce que j'ai la flemme de... J'ai envie de prendre le risque de tomber. C'est pour ça. Le problème du coup de poing, c'est que si j'envoie un coup de poing pour donner... Pour péter les caisses, j'avance de 4 mètres. C'est pour ça. Ok, on remonte. Putain de sa race maudite. Est-ce qu'il y a un ennemi à buter là? Oui. Ils sont de retour. Pas prendre de risques. Quand je serai devant l'autre con là. Ils sont où là? Ici. Ok, il y en a encore un qui est prêt par contre là. Ok, ici. Ici. Ok. Tu peux faire le coup en rond aussi, hein. Mais c'est pour l'esquiver que ça me pose problème, hein. Ok, on va descendre. Ici, on va faire le coup en rond, là. Bon, j'ai combien de santé, là? On peut faire la spéciale aussi, hein. Comment je peux l'esquiver? Ah putain, un œuf ici. Bon. Je vais peut-être utiliser ça. On y va, comment je l'esquive? C'est pas possible de l'esquiver, lui. Il y a beaucoup moins de checkpoints, hein, je trouve. Hein. Et à mon avis, ces plateformes, elles vont s'effondrer. Putain, des rapaces en santé aussi. Hein. Ok, c'est bien ce que je disais. Les plateformes... Encore une zone avec des œufs. Alors on va attendre les Metal Gear là. Oh putain, j'ai pas réussi à les avoir. Venez là pour deux Metal Gear. Tu peux l'esquiver, c'est juste toi qui n'y arrive pas. Ok. Ok. Je suis meilleur sur les phases de shoot quand même. Hein. Oh putain, sans déconner. Ils sont en bas. Parfait, je ne vous laisserai pas monter. Ok. C'est bon. Les œufs, 44. Bon, il n'y a pas de checkpoint, mais c'est là où ils sont gentils, c'est que les objectifs de quête, ça sauvegarde après tes morts. Donc c'est en fait un demi
C'est un peu une demi-sauvegarde. Reviens en arrière, récupérer les gemmes. Attends, je vais revenir en arrière. Lesquelles deux gemmes, là? Je peux les buter, eux? Ah ouais, il y a eux aussi, là. Il en reste 10 quelque part. Ah oui, il y a des gemmes ici, effectivement. On va revenir. Je bute les derniers œufs. Oh, magnifique! Un faux plat. Trophée. Vous avez détruit le dernier œuf de Metalhead. On devrait pouvoir économiser un peu d'écho pour la ville. Bravo! Donc ça, c'est très très bien. En fait, t'avances progressivement. Donc il y a des gemmes ici. Et les autres, elles étaient où? Elles étaient sur l'étage intermédiaire. Il y a aussi un œuf ici, tiens. C'était là, je crois. Oh putain, j'ai failli tomber. Elles ont disparu après la sauvegarde, en fait. Parfait. Et Anto, qu'est-ce qu'il en pense? J'aimerais bien savoir ce qu'il en pense, Anto, lui qui a pas fait le jeu et qu'il découvre en même temps que moi. Du coup, comment je fais pour me casser? Est-ce que c'était un raccourci? Parce que ici, c'est un raccourci, en fait. Ah ben merde, oui. Elles ont disparu. Mais je pense que si je reviens, le mob réapparaît. Ah ben ça m'ouvre le chemin, en fait. C'est ça. La grue qui est tombée. Si je dis pas n'importe quoi. Ben mission réussie, les gars. Mission réussie. Ben, il y a certains endroits, niveau couleur, level design, ça me fait penser à Uncharted. Mais le jeu a l'air vraiment cool. Ouais, pour l'époque, hein, c'est vrai que si on se met en 2003, il y avait de quoi aimer. Hein. À savoir que ce deuxième épisode, c'est moins bien vendu que le premier Jak and Daxter. Mais ça restait un chiffre quand même de blockbuster. Hein. Donc... ils ont décidé de faire un troisième qui s'est vraiment moins bien vendu cette fois. Et Jak X, le jeu de voiture, 500 000 exemplaires, les gars. Autant vous dire qu'ils ont merdé. Donc on va aller faire l'autre mission d'un coup, là, direct. Hein, et ensuite, on ira rendre compte. Donc là, je consulte Crew et Thorn. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir Thorn ou on va voir Crew? Ça, c'était la mission de Thorn, ça, hein. C'était la mission. C'était la mission de Thorn. Pourtant, le jeu est largement mieux que le premier et le 3 est excellent. Peut-être que les gens. Peut-être que les gens aussi, ils en avaient assez de. Après, tu sais, c'est l'ambiance, la licence. Hein. Si les gens, ils accrochent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir Thorn ou... On est le plus proche d'où? On est le plus... Alors, Crew, c'est ici. Et Thorn, il y a du chemin. Non, on est à peu près à chemin égal entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? N'hésitez pas à me dire. On était avec Thorn, là, hein. Ça, c'est vraiment compliqué, hein, sur... Ouais, mais tu peux répéter, il y avait une pub de merde. Ben, en fait, je proposais Thorn ou Crew. Et ça, c'est quoi, là? Faudrait que je vois à peu près, là, un petit peu, là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs, là? C'est des défis, c'est quoi? Comment ça marche? Je traverse le truc? On va faire ça. On passe au secteur suivant. Alors.
Non, tu répondais pas à... Tu répondais à ce que je disais. Ben, je sais plus ce que je disais. Je ne sais plus. On a dit Thorn. Hein. Thorn, c'est derrière. Activité suspecte dans ce secteur. C'est fou parce que là, quand même, on travaille pour Thorn. J'ai l'impression que c'est un gentil. Mais Crew, c'est une enflure. Hein. Donc, j'ai hâte de voir. Parce qu'on travaille pour tout le monde, là, en fait. Hein. Ce qu'on veut, c'est juste se sortir de la merde. Ah, je peux sauter ? Rien pour le moment. Il n'y a pas un bouton pour faire des virages plus serrés ? Je suis le vice. Oui, oui, le suspect, mais le suspect, il est là, le suspect. Ok, on y retourne. C'est ici, ça y est, on est arrivé chez Thorn. Voilà. Me voilà bien avancé. Me voilà bien avancé, il me dit. L'une de mes anciennes camarades Grenagarde a été envoyée à la station de pompage. On n'a reçu aucune nouvelle de la patrouille. Vu ce que vous avez affronté là-bas, elle doit avoir besoin d'aide. Vous avez dit elle ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Il s'aime pas, c'est pour ça qu'il lui fait des grimaces. Arrête ça ! Je suis sérieux, espèce de milus ! C'est excellent. Tu penseras à Nana après ? Cet ami est souvent venu en aide aux souterrains dans le passé. Retournez à la station de pompage et jetez-y un œil. Aidez-la si nécessaire. Toi, l'écureuil, bouge-toi d'ici et vite. Il aime pas, c'est pour ça que au début je comprenais pas pourquoi il lui faisait des grimaces. Il aime pas. Il aime pas du tout, c'est pour ça. Je comprends mieux. Allez, c'est parti, on retourne. Ah, enfin cette mission. Donc on retourne à la station de pompage. Alors, si tu attendais cette mission, à mon avis, c'est que c'est une mission qui est un peu dure, non ? Par contre, au truc de... le dernier environnement où on était, je trouvais que ça laguait à mort, quand même. Hein. Pourtant, c'est pas plus détaillé qu'ici, hein, je comprends pas. Hein. Est-ce que ça serait le codage qui a été fait avec le cul ? Je ne sais pas. Non, c'est madame, je l'aime bien. Ah, c'est la madame, tu l'aimes bien. On va voir. On va voir ça tout de suite. Il faut aller sauver une patrouille qui est partie en cacahuète. Ou en tout cas, une patrouille qui ne donne plus de signes de vie. On y va de suite. Sur PlayStation 2, ça laguait pas. Bon, allez, il faudrait aller me coucher. Bonne nuit tout le monde. À plus, chef Puma. Merci d'être resté aussi tard. Et bon courage pour les cours demain. Allez. Attention, vous quittez la ville. Un grand merci en tout cas à toi d'avoir été présent. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un boss. Je vais sortir ma sulfateuse. Ah oui, pas mal du tout. En 2-3 coups, c'est réglé. Est-ce que ça me dit où je dois aller ? C'est fou parce que tu vois qu'un jeu d'aujourd'hui, clairement, la map, elle s'afficherait qu'en appuyant sur un bouton, quoi. Et la map, elle serait disponible de partout. Pas uniquement dans le hub. Ça rien que je ramasse ça, je suis blindé. Attendez, je crois que je peux passer par là directement maintenant que c'est cassé. C'est un raccourci, non ? Voilà. La map, franchement, passer par le menu,
Si je passe par la droite, c'est plus simple, non? Attendez, c'est l'endroit où j'étais monté. Oui, c'est bon, ouais, ça serait plus simple par ici, je pense. Allons-y. Tu te souviens l'endroit où il y avait le truc bizarre? Ben, tu dois aller là, oui. C'est bien ce que j'ai compris lorsque j'ai vu la map. Ils sont sérieux, ils sont plus forts là. Il me faut 2-3 coups pour les buter. Ils sont plus forts ces mobs. Ah mais j'hallucine des particules d'eau là qui... C'est super bien fait je trouve. C'est pas par là. Putain, y a du monde. Ah ouais, carrément. Non mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pour ça que je te disais de ne pas te laisser distraire par la suite du jeu. Putain, sans déconner. Hein. On va passer par la droite, je crois. Hein. On va passer par la droite. Si c'est possible. Mais elles sont puissantes leurs nouvelles armes à eux là. Ne fais pas ta spéciale avant la fin de la mission. Ok. Le problème c'est qu'il faut que je la recharge là du coup. Hein. Le problème c'est que je l'ai utilisé je crois. Hein. Oh là 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 là, je l'ai utilisé. Ça m'a tout pris. Ça m'a tout pris, bordel de merde. Oh putain, elle s'est même pas déclenchée. Putain, c'était quoi? Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Soué dans une merde internationale. Est-ce que je suis sur le bon chemin au moins? Parce que j'ai voulu passer par la droite. Ouais, donc il faut que je longe à gauche pour revenir. On va essayer de charger au maximum. Y'a rien. Ok, y'a rien. Après, c'est cool d'avoir mis des trophées quand même, hein, parce qu'à l'origine, il n'y en avait pas. Hein. C'est par où? Ne t'occupe pas de tous les éliminés, tu en as pour une éternité. Ben oui, clairement. Donc il faut que j'aille à gauche là-bas. C'est là qu'il faut que j'aille. Hein. Ne gaspille pas tes munitions. Non, il faut que je monte sur... C'est pas là. Ah, je comprends pourquoi il m'en donne autant, là. Ah, par contre, je suis obligé de les utiliser, là.
pas possible. Ils m'ont même pas laissé le temps de récupérer les trucs. Qu'est-ce qu'on fiche là, risquer nos vies pour sauver un vieux cageux de la Grenagarde, franchement. Je parie qu'elle a plus de barbe que moi. D'où vous sortez, vous deux? J'adore les femmes en uniforme. Vous voulez m'aboyer des ordres? Je suis votre chauffeur sur l'autoroute de l'amour. Garçon, un terrier pour deux. Continue comme ça et je fais monter ta voix de quelques octaves. Du calme. Thorne nous envoie pour vous aider. Pas besoin d'aide. Par contre, vous, on a de la compagnie. Oh putain, ça va shooter. Les voilà. Sale métalhead. Tiens. Oh là là, mais c'est une horde. C'est une horde. Tire. Oui, je tire. Ta gueule. Mets la gomme. Y'a pas des munitions quelque part? Si, c'est bon. J'en ai plein. Ça, c'est pour mon père. Quand je m'approche pas trop, ça va. Hein. Ils tirent par terre, ces couillons. Prends ça. Mais qu'est-ce que j'ai plus de munitions. L'heure de la vengeance a sonné. Tête de nœud. Bien vu. Je me suis bien débrouillé. Ces métalheads, c'était plutôt excitant, pas vrai, Poppy? Ah, hey, mon zèbre en sucre! Appelez-moi pour que je passe vous voir à l'occasion. On fera une mégateuse. Ça va grouver. Dites à Thorne que le baron Praxis mijote quelque chose. Ça doit être en rapport avec ce symbole. Qu'est-ce que c'est? C'est le sceau de la maison de Mar, le fondateur d'Abriville. On va être envoyé en mission suicide pour ramener des objets datant de son règne. Si vous êtes vraiment curieux, demandez à la vieille devineresse aveugle Onin au bazar. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Tenez, prenez mon laissez-passer. Vous êtes Ashlyn, c'est ça? On est quitte maintenant. Je comprends pourquoi tu t'en souviens. Avec ses boobs, je comprends pourquoi tu te souviens d'elle, monsieur Docteur Nintendo. Les boobs d'Ashlyn. 143, putain, on en a pris des orbes. On en a pris des gros orbes, je vous le dis, moi. Bon, ça nous avance pas plus avec cet item là. Bon, au moins on l'a sauvé, Ashlyn. Si je meurs, ça me remet au début, je vais gagner du temps, non? Est-ce qu'on ferait pas une technique de speedrun par hasard? On va juste se remettre de la santé s'il faut. Non? On va essayer de se laisser mourir, normalement c'est bon. Parce que si je fais ça, qu'est-ce que ça me dit? Consulte Vin, Crew, écoutez, je peux mourir. Hein, ça me remettra au début de la zone. Mais là, tu vas avoir le best perso ever, Onin. Franchement, ces nouvelles armes-là, puissantes. Ah hein. Oh, putain, les enfoirés, ils me font un checkpoint ici. Oh, les chacalus. Oh, les chacalus. Ouais, donc je suis obligé. Je suis obligé. Évite-les, ça ira plus vite. Mais écoute, s'il me touche pas, moi je veux bien. Ok, on va voir ça. Regarde, le problème c'est qu'il m'enlève 2 points de vie, ces enfoiros. Ouais, c'est bon, ça passe. Putain, c'est ici qu'il faut aller.
Ok, c'est bon. Je vais les buter par contre. Parce que le chemin est trop étroit. Par contre, il y a un œuf ici, les gars. J'ai pas vu. Il y a un œuf, on va aller le chercher. Faut pas déconner non plus. Ça peut être important. Comment je fais pour remonter par contre? Faut que je fasse tout le tour maintenant. Roulade plus saut, n'oublie pas. Ah oui, pour aller plus loin, oui, exact. Oui, pour aller plus vite, effectivement. Bien vu, Docteur Nintendo. Technique du speedrun. Je suis full vie. Est-ce que je peux remonter ici? Ben c'est bon, c'est la sortie là. Magnifique. Ah, si j'avais su. Parfait. Alors qui on va voir maintenant? Qui nous allons voir? Bienvenue. Donc pour retrouver Onin, faut aller voir qui, Docteur Nintendo? C'est Thorn encore, je pense. Est-ce que Thorn on l'a dans les choix des missions? Ah non, Onin. Consultez Onin directement, d'accord. Conseil, va voir Onin. Ben c'est parti. On y va de ce pas. Putain, mais sans déconner, mais qu'est-ce qu'ils font au milieu de mon chemin? Cette zone est interdite. Ah, j'ai pris des dégâts et ça a détruit celui que je voulais, sans déconner. Scandaleux. Patrouille du secteur 9. On va attendre un véhicule. On va aller voir Ronin. Et j'avoue que Ashlyn, elle a du caractère. Elle a du caractère. Attention, je suis à pied. Allez, c'est bon, j'ai récupéré un véhicule. Alors, je pense que c'est l'item jaune, je crois. Hein. Mais t'es sérieux? On passe au secteur suivant. Donnez l'alerte! C'est pas plutôt toi qui a contresens? Non! La route est à moi. Activité suspecte dans ce secteur. Oh, mais sans déconner. J'écrase tout le monde, moi j'en ai rien à foutre. Alors la carte, ça dit quoi? Ça dit quoi la carte? Alors. Donc Onin, c'est la tente, je crois. C'est la. Je sais même pas qui c'est Onin là. Onin, c'est quoi? C'est l'éclair ou c'est la tente? Là, il y a trois items. À droite, l'éclair. Tu joues comme moi. Tu rentres dans tout. Et tu t'en fous d'être poursuivi. On est d'accord, Docteur Nintendo. On est d'accord. On est d'accord. Je vais dans quoi? C'est la tente. Ok, ça marche. Donc la tente, attention, il faudra que je tourne. Hein. Il faudra que je tourne à un endroit. Ça marche. Arrête le véhicule.
Une poursuite dans le secteur 4. Putain, on en aura tué des gens. Alors, c'est par où ? C'est ça, c'est ici, tout droit, faut que je prenne la rampe. On n'est jamais venu ici. C'était volontaire, c'était fait exprès en fait. Il n'y a pas de véhicule ici. La tente est là, parfait. Super, regarde tous ces trucs morts. Ah, si tu me touches encore, sale bête, tu vas le regretter. Je suis Marteau Pecker. Oui, oui, je sais, ma mère. Elle était très rancunière. Je suis l'interprète d'Onin. Onin vous souhaite la bienvenue, blablabla, les pompeuses salutations d'usage. Elle dit qu'elle est ravie de te revoir, Jack. On ne s'est jamais rencontrés avant. Avant, après, peu importe. Oh, oh, laisse-moi deviner. Elle veut un os de Yakov. Une panse de Yakov. Non, je sais. Ça fait plusieurs lunes qu'elle attend, sans relâche. Un jus de fruits, une joaillerie. Oh, je sais. Elle a une boule de poils, une lèvre en poils, une poitrine en poils. Tu brûles. Mais non, Onin dit que vous cherchez des réponses. À propos du tombeau de Mar. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Elle continue avec ses canaux d'énergie mystique, ses sorts maléfiques, ses trucs de ouh débile. Laissez tomber. Je vais rapidement vous résumer tout ça parce que là, c'est l'heure de ma sieste. Onin veut que vous récupériez 3 objets au temple de la montagne des précurseurs. Pas 2, pas 4, 3. Utilise le téléporteur au nord-ouest de la ville et rapporte ces 3 objets. Allez. Va-t'en, ça sera la dernière mission de ce live. GTA, il était sorti en quelle année? Pour savoir s'ils se sont inspirés, parce que choisir les missions comme tu le veux, c'était une première dans GTA 3. Je suis assez curieux. Je suis assez curieux de voir ça. En quelle année est sorti GTA 3? 2001, 2002, 2003 sur PS2. En taux, 2001, c'est ça? 2001, GTA 3, 2002, GTA... Attendez. Je comprends pas en taux. Tu m'as mis 3 années. 2004 pour San Andreas. Mais 22 octobre 2001, le 3. Ok, donc ce jeu est sorti 2 ans après GTA. Je pense qu'il en est inspiré. Hein. Il en est clairement inspiré, ce jeu. C'est pas possible. La grande map, le choix des missions à ta guise, dans le sens que tu veux. Je pense qu'il y a un lien. C'est fou parce que... Je dirais que c'est même un des seuls jeux à monde ouvert de Naughty Dog. Hein. Est-ce qu'ils ont fait des jeux à monde ouvert, Naughty Dog? Bon. Est-ce que... À un moment donné, je peux récupérer un véhicule, bordel de merde. Ça serait cool. Par là. Oui, ici. 27 octobre 2002. Putain, un an après, il y a Vice City. C'est pas possible, ils avaient 2 équipes. Ils avaient 2 équipes pour travailler. C'est pas possible.
Tu peux pas sortir en l'espace d'un an. Donc la montagne, ça vous gagne, c'est par ici. Faut que je fasse par la gauche. Ok. Donc par la gauche. Le temple par la gauche. Ok. On va écraser les gens. Je préfère écraser les gens que éclater ma moto. Hein. C'est plus simple en fait. Hein. Alors ici. Ah, je peux aller par là. Je peux aller par là. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais certainement dimanche, j'aurai une grosse journée. Donc on va certainement décaler. Fort probablement même. Minecraft RP ce vendredi soir. Hein. C'est pas par là. C'est pas par là. Non, ce n'était pas par là. C'est par ici. Là, j'aime bien quand on retrouve des décors comme ce, comme ceux-là. Un petit peu de verdure. Voilà, c'est bon, on a trouvé. C'est ici. Eh oui. Donc, il y a eu quand même 2 ans entre Vice City et San Andreas. Hein. C'est quand même déroulé 2 ans. Bon, vu le contenu de San Andreas, je comprends. Ah, on retrouve des environnements du premier Ratchet, les gars. Du premier Jack and Dexter, là. Hein. Fait plaisir. Donc, on va récupérer les 3 pierres. Vendredi, je serai pas trop là, enfin le soir, mais quelle heure, je sais pas, car je mange en famille et juste avant, j'ai un fond d'œil à faire. Un fond d'œil ? Je connais pas cette expression. Un fond d'œil ? Je remarque que toi aussi, tu aimes envoyer exploser des voitures. Ah oui, c'est ça. À chaque arrivée, du coup, je risque de voir flou. Mais j'ai un fond d'œil à faire, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il faut que tu boives un coup, c'est ça? Tu as un apéro. Le fond d'œil, c'est un apéro? D'accord, c'est la mort qui nous attend. Très bien. Tain, c'est fou parce que même là, hein, tu vois qu'ils ont modélisé le village. En 3D, s'il vous plaît, alors que c'est juste un background. Hein. C'est juste un background. Ils vont dilater mes yeux pour voir si j'ai rien de grave. D'accord, ah, c'est une intervention. Intervention médicale. Je ne vois pas par où je peux passer là, les gars. À moins que ce soit par là. Vise la plateforme, Jack. Vise la plateforme. Il faut que je lui tire dessus. Donc pendant 3-4 heures, je vais voir flou normalement. Ils vont me mettre des gouttes dans les yeux normalement. Il faut que je vise la plateforme. D'accord, je comprends mieux maintenant. Ok, parfait. En fait, si t'avais pas de ralentissement sur PS2, c'est parce que t'étais en 30 FPS. Je pense que ça vient de là. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh. Ah oui, effectivement, tu peux l'esquiver, oui. Oui, tu peux l'esquiver.
Oui, oui, tu peux l'esquiver, c'est possible. Dans 52, peut-être qu'après ce monde, on peut... Très joli ici. C'est très joli ici. C'est très joli, mais je veux de la santé. Oh putain. Elle m'a défoncé. C'était la surprise du chef, ça. Ok, je suis mort. D'accord. J'ai 18 000 en points de Whammer Twitch. En points de live, tu veux dire. Alors, qu'est-ce que me disait Anto ? Vu que je vois des corps flottants, rien de grave normalement, et voir si j'ai besoin de porter des lunettes ou non. Ah, les yeux, c'est problématique, hein. Car j'ai une fatigue musculaire au niveau des yeux et un strabisme qui n'est pas réellement visible. J'avoue que le strabisme, ça doit être compliqué. Hein. Mais comment tu as fait pour mourir si nullement ? Écoute, j'étais impressionné par la bête. Il n'y a pas de système de lock, donc t'as toujours l'ennemi dans le dos. Un peu compliqué le truc. Putain, j'ai failli mourir là aussi. Hein. Je pense que tu l'as vu. D'abord ici, il y a quoi là? Avant de partir dans les profondeurs là, c'est des bébés là, hein. C'était des... Ah oui, c'est des bébés, c'est après que je vois le gros en fait. J'étais trop vite. Il y a 40 passages en fait. Ah oui, on va aller faire les 2 ans ici. Les 2 ans, les 200. Ils y sont pas les 25 là ? 180. Elle est super cette musique derrière là. J'ai été impressionné par la bête. On me le dit souvent. Ouais. On me le dit souvent, elle a dit. Ok. Oh putain. Oh ce salopard, je l'aime pas. Oh, je l'aime pas ça. C'était pour un œuf. Putain, c'était pour une orbe. Mes couilles. Est-ce que je peux monter? Où sont les pierres? Est-ce qu'il me les montre, les pierres? Oui, il me les montre. Donc, je me rapproche d'une des pierres, là. Il faut que je me jette ici ou pas? Oh putain, ça va être compliqué cette histoire-là. Qui a dit qu'il n'y avait pas de plateforme, putain, sans déconner. Et il a dit qu'il n'y avait pas de plateforme, le testeur, sans déconner. Hein. C'est quoi le délire, là? Trop de la balle, mon chou. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, c'est pas mal, ça. Je peux tirer ?
Oh, ils sont gentils. Ils m'ont mis un checkpoint ici. Ah, ça va, j'ai compris. Pas mal l'énigme, là. J'aime beaucoup. Ah putain, on peut pas revenir en arrière ? On peut pas revenir en arrière, bordel de merde. Bon déjà... Si, on peut revenir en arrière. Bien récupérer le truc là-bas. Non, ok. Réfléchissons. Action, réflexion. Oui, d'accord, bon, c'est mort. Mon cerveau est en train de brûler, les gars. Mon cerveau est en train de brûler. Nous allons sauvegarder après la prochaine pierre. Je me souviens, j'avais rage quit à 2h du matin sur cette épreuve à la con. Sur cette épreuve à la con, il m'a dit. Ok. Techniquement, ce n'est pas possible. On va couper le live après cette pierre, les gars, parce que on perd trop de temps là. C'était le sens contraire, Wam. T'es sérieux? Ça veut dire que j'y étais? J'ai tenté, les gars, j'ai tenté. Merde. Ça y est, la manette, elle recommence à partir en couille. Pas mal cette idée, j'avais jamais vu ça, hein. Là, je suis dans la merde, là. Avec cette petite musique, là, franchement... J'apprécie beaucoup. Faut avancer de 2. Aller à droite, et tu peux aller en avant. Tu parles pour le dernier, hein. Ah, ici, il fallait que je tourne à gauche tout de suite.
ça change tout après. Oh putain. Donc là tu m'as dit faut avancer de 2. C'est ça, j'ai avancé de 2 à droite. Ah ben oui, putain, ouais. Il y a un boss. Bah, en fait, il était simple. C'est simple. Il suffit juste de l'esquiver. Oh la honte. Il suffisait juste de l'esquiver en fait. Attendez, la manette ça commence à partir en couille là. Seconde fois. Ce petit joujou vibre dans tous les sens. C'est pas mal comme sensation. C'est intriguant quand même. Ça me donne envie de continuer. Du coup, est-ce qu'il y a moyen de revenir? Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, d'ascenseur ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait? On finit? Est-ce que tu m'accompagnes si je finis le niveau? Est-ce que vous m'accompagnez? J'ai bien envie de savoir ce qui se passe après ces trois pierres là. Oh putain, il y en a deux ici? Trois? Putain! Ils sont généreux hein. Ils ont été généreux. Là-bas, il y en a beaucoup aussi, oh. Non, il n'y en a qu'un. Bien entendu que je t'accompagne, Anto et ma compagne. On finit le level. On finit le level, alors, allez. Allez, on va pas perdre de temps avec eux. Ah mais c'est un raccourci là en fait. Quand j'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions. Là, je suis dans la merde. Oh, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Ok. Deuxième épreuve. Deuxième épreuve. Allons-y. De la vie, s'il vous plaît. Ok.
exemple. 185, 186, il me reste plus que 12 à récupérer. Ok, attention au rocher là. Attention au rocher les gars. Ok. Oh, je suis foutu. Oh putain, d'accord, ok. Oh con, d'accord, ok. Ok, d'accord. Oh, c'est pas mal. Oh putain, il faut remonter tout en haut là. Putain, je pensais que ça s'arrêterait. Ah, c'est pas mal encore une fois là. De la santé. Merci bien. De la santé. Putain, je... Non, au secours. Oh putain. Je suis mort. Oh putain. Une sauvegarde. Wham, qui a une moule si grosse qu'elle en nourrirait une cantine entière avec un menu moule frites. Merde, je suis tombé. Y'a pas un truc secret ici? Non mais vous avez vu ma manette comme elle part en couille les gars? Faut que je change. Les gars, ça me le faisait pas avec mon ancienne manette ça. Hein. C'est certainement la cons... C'est... Et les gars, je vais voir ça en direct. Attendez, je change la manette. Périphérique. Éteins-moi ce périphérique. Éteins le périphérique. Je récupère l'autre manette. On va voir si ça vient de là. Incompréhensible ce qui se passe. Incompréhensible. La manette, elle est neuve. J'avais acheté la console en 2014 avec deux manettes. J'ai fait 7 ans. J'ai fait 7 ans avec une manette. J'ai jamais eu de problème, mis à part les gâchettes, Anto. Tu te souviens les gâchettes, comme c'était la merde? Les gâchettes PS4, les deux manettes PS4, c'était horrible. J'ai fait une réparation de merde avec du scotch à l'intérieur. Ça a tenu pendant 7 ans. En fait, le bouton marchait, mais t'appuyais pas à fond. Et ça, sur les jeux de voiture, on avait compris qu'on était... On était carottés. Ok, c'est bon, la manette est reconnue. Alors on va voir si ça va continuer à me le faire, ce truc de merde là. Parce que là, c'est clairement merdique. Ok, on y va. Parfait. Attention, on esquive. On esquive, ça va bien se calmer à un moment donné. On y va. La santé. Oh putain, là ça s'est calmé, on y va, on fonce. Ça s'est calmé. Hop, on y va. C'est par période. Il y a des moments de calme en fait. Oh putain. Là c'était pas un moment de calme là. J'ai sauté au-dessus de la boule. Moment de calme, on y va. Oh putain de merde. Oh putain, mais oh putain. Ah saloperie. Qui a dit que qu'il n'y avait pas de la plateforme dans ce jeu? Franchement, le testeur de jeuxvideo.com, il a fumé. Hein. Oh putain, non mais là, je veux le faire trop vite. Je veux le faire trop vite. C'est pas bon.
Les sticks pourris. Dans les sticks, j'ai jamais eu de problème avec les sticks, moi, avec cette manette PS4. J'ai vraiment eu aucun problème avec les sticks. Par contre, là, cette histoire de décalage des boutons, parce que là, la manette, elle répond avec 4 secondes de retard à des moments, là, avec cette manette. Avec l'ancienne manette, celle que je viens de déposer. Ok. Oh putain, non mais sans déconner. Putain. On y va. Oh là là. Putain, mais j'ai l'impression que le rocher... Allez, vas-y, suicide. C'est bon. Remets-la à zéro ou désactive le Bluetooth. Alors, on peut mettre une manette à zéro ? Ok, on se calme. On se calme. Putain, il était gros celui-là. Celui-là aussi. Ok, on se calme. La santé. On y va. Putain, j'ai sauté. Hein. Mais putain... Oh, mais non! Oh là là, il y a des fois, j'ai l'impression que c'est le bordel. Putain, au secours! Ok, j'ai jamais été aussi haut. Pour le moment, saloperie. Est-ce que c'est là ? De la santé, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé avec Daxter là ? J'avais pas vu le bordel qu'il y a en Essonne, qu'il y en a en Essonne au Tarteret, avec un anguille ou un truc pour les téléphones là, derrière la manette. T'as pas un petit trou? Ah oui! C'est pour la mettre à reset, ça. C'est pour faire le reset. Ouais, je pense que je vais faire un reset sur l'autre manette. Alors, j'espère qu'il y aura une save quand même. Hein. Parce qu'il faut pas déconner non plus. J'ai rien raté là. Hein. J'ai rien raté. Oh putain. Putain, c'est quoi ça? Personne saura qu'on est venu ici. Non mais les scènes. Ah non, les scènes de Daxter, elles sont énormes. Là faut sauter à droite si je me souviens bien. Non. Ensuite, le passage suivant. Et la dernière pierre. Donc faut prendre à droite, c'est ça. Faut prendre à droite là, direct.
C'est ça? Je crois, hein. Non. Pas du tout. Il y a un chemin ici, derrière moi, à gauche. Là, ici. Attendez, c'est bien là, non? C'est bien là, on va y arriver, les gars. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Ah oui, d'accord. C'est là où je suis mort tout à l'heure. Est-ce que j'ai des munitions, par contre? Parce que je vais réaffronter l'autre connard. Et j'ai combien de munitions? 87. Parfait. Il est revenu. Donc attendez, c'est pas là. C'est pas là, il était juste revenu. Donc il faut que je continue où là? J'étais sûr que ça serait ici, moi. Ah si, allez sauter dessus. C'est bon. On est sur la bonne voie. Alors, qu'est-ce qu'il y a en Essonne au Tarteret? Avec une anguille ou un truc pour les téléphones, là, derrière la manette. Avec une aiguille. Ah oui, une aiguille, pardon, j'ai compris, une anguille. Une anguille, sérieux. Alors, attention, on y va. Putain, mais sans déconner. Non mais t'es sérieux là? Putain... Il me faut recommencer là en plus. Oh putain, non mais sans déconner. Affrontement entre police et des petits merdeux. Alors là, franchement... Je vois pas. Je regarderai les infos après. Il y a des images là, assez impressionnantes ou pas? Bon, désolé pour ce petit désagrément. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas, on y arrive toujours de toute façon. Est-ce que c'est là le chemin? La pub! Bon courage pour la remettre à zéro avec une anguille. Non, c'est derrière, à ma gauche. C'est la sortie à ma gauche. C'est ici. Ah bah oui, là, avec une anguille, c'est pas la même histoire. Donc là, le chemin ici. C'est bon, j'ai compris pour l'esquive. Regardez. J'ai compris pour l'esquive, ça y est, alléluia. Alléluia, j'ai compris pour l'esquive, les gars. Donc je vais économiser... le pacificateur ou le blaster. C'est bon. Je sais même plus comment je suis mort là. Thank you.
Oh putain! Oh là là! Ah oui, je suis mort face à l'autre là, mais j'ai perdu trop de vie là. Putain, mais je déconne. Mais putain, je le fais exprès ou quoi? Ce truc. Ok, d'accord. Putain, ils avaient dit qu'il n'y avait pas de phase de plateforme dans le test. Ok. Bordel. Ranger ça, on n'en a pas besoin. Ok. Oh putain. Alléluia. On a réussi à faire ce passage. Ensuite. Bon, ça va, on peut aller dessous. Ils se foutent de ma gueule ou quoi là? Ou alors c'est un autre passage identique. Attendez, ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible. On était là tout à l'heure. Je comprends rien. Mais attendez, ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible. Ah, c'est au niveau des trois plateformes, j'aurais dû aller de l'autre côté. Je crois que c'est ça en fait. Putain, non, mais sans déconner, y'a comment pour faire ça? C'est là, y'a un truc ici, putain. Alors qu'est-ce que je peux faire ici? Ok. Ok, ça c'est fait. 194. On est pas mal. On est pas mal. Ok, il y a un farfelu là-bas. On va s'en occuper. Et les 200, on les a pour l'oracle. Si tu manques de talent, si ton manque de talent ne me faisait pas rire, je me serais endormi. Là, t'es au même point que moi, tu joues en même temps que moi, on est d'accord, hein. J'aurais dû faire double saut. On finira par l'oracle, tiens. Ensuite. Donc là. Là. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Parfait, parfait. Un 9 ici, on le prend. On a réussi. Ça, c'est du faisceau, hein? Quel fumet délicat. On dirait que ça sent. La velouté cramée. Ah!
La beloute cramée. Ça y est, Jack et le temple maudit. Ah, vous avez réussi, c'est incroyable. Onine dit qu'elle va tenter de trouver une réponse aux reliques sacrées dans les lignes du temps. Je vous rejoins après. Très bien, bah écoutez, super. Ce qu'on va faire là, c'est Oracle, et on retourne voir Ronin pour lui ramener les pierres et on est bon. Par où je peux me casser? Par là? Je crois que c'est par là, oui. Ah bah, professionnel gaming, les gars. C'était par où qu'on est arrivé? On est arrivé par là? Ouais, je crois que c'était par là. Oh putain, attention. J'ai cru voir le truc descendre, oui. Parfait. On est pas mal là. D'après toi, on est à combien sur le pourcentage du jeu là? On a passé la moitié ou pas? Alors, Ronin en priorité. Est-ce que c'était dans la même zone? Bienvenue. Non, c'était pas du tout dans la même zone. Il me semblait qu'il y avait un véhicule ici, là. Bon, c'est pas grave, il y en a un ici. Tu n'es pas à la moitié. Parfait, je prends note. Cette zone est interdite. On va faire des lives, certainement. Demain après-midi, on va peut-être faire un live. Demain matin ou demain après-midi. Il faudrait avancer. Alors, direction à l'oracle. L'oracle, c'était où? Est-ce qu'elle est pas loin, la zone? La zone, j'aurais pu... Putain, j'aurais pu passer par... par où j'étais, l'oracle, pour le pouvoir. Ça sera du temps de gagner pour la pour le prochain live, ça. Allez, on va buter des gens. Rêve pas trop, Wam. Bon, allez, c'est parti. Franchement, le 60 FPS, pas trop, les gars. De temps en temps, oui. Mais je trouve que le jeu rame beaucoup. Hein. Il rame beaucoup plus. Il rame beaucoup plus que le premier épisode. Hein. Alors, c'est facile de faire remastered. Mais est-ce que le problème viendrait pas que je joue sur PS4? Est-ce que la PS4 a du mal à le faire tourner en 60 FPS? C'est bizarre, pourtant c'est un jeu PS2. Même en 60 FPS, ça devrait tourner à l'aise. Alors, la map. Ils ont compris après sur les jeux en général que la map fallait la mettre sur un seul bouton. Hein. Généralement c'est même le menu pause et après tu choisis les options que tu veux. Là je suis perdu. Prochaine à droite. Là. Prochaine à gauche. Ok. On s'en fout, on écrase tout le monde de toute façon. Oh putain. On a failli exploser. Bon, l'oracle, c'est ici. Ok, super.
209. Il m'avait dit 200, Top Top. Les Metalheads vous ont toujours fait peur, petit colérique. Même maintenant que le chef des Metalheads sait que vous pouvez l'éliminer et sauver notre race, vous pouvez désormais disposer d'une autre énergie noire. Dark Explosion 2, appuie sur carré, puis sur croix pour effectuer le Dark Blast. Ah ouais, d'accord. Ah, effectivement. Effectivement, c'est pas mal, ça. Activité suspecte dans ce secteur. Oui, activité sismique, t'inquiète pas. Putain, j'aurais pu en choper un, là. Allez, on va retourner voir... Allez, putain, véhicule, s'il vous plaît. Maintenant, parfait. Alors, qui je peux aller voir? Qui je peux aller voir? Ben, elle est plus disponible. Elle est plus disponible. Onan est plus disponible. Elle est... C'est juste que j'ai récupéré les trois. Ben voilà, consulte Vin et Crew. Ben c'est bon, on a terminé. Hein. On a terminé pour ce soir. Activité sismique. Allez, on va faire une petite sauvegarde. Les secrets. Est-ce que j'ai débloqué des secrets? Rase ou non le bouc de Jack? Ah, je peux? Mode miroir, non. Mode grosse tête. C'est pas réglable. Album 50, c'est quoi tout ça? Ah, c'est avec... d'accord, c'est avec les artefacts, les trucs précurseurs. D'accord. Je peux raser... Je peux faire le monde miroir et je peux raser le bouc de Jack. Ah bah attendez, on va aller voir ça puisqu'on quitte de toute façon. Donc le bouc de Jack est-il rasé? Ah bah oui. Il est mieux comment? Il est mieux avec ou sans le bouc? On verra bien. En tout cas, merci beaucoup Docteur Nintendo, merci beaucoup Anto de m'avoir accompagné aussi tard. Je pense que demain, je vais avancer sur le jeu. Je vais faire des lives dans la journée, hein, puisque je suis en vacances la semaine, là. On va sauvegarder la partie. Hop, écraser celle-ci, oui. Je vais faire un double. On sait jamais, les gars. Merci beaucoup, Anto. Merci beaucoup d'être resté avec moi aussi tard. Avec le bouc, voyons. Mais bien entendu, cela va de soi. Alors, on le remettra demain, le bouc, quoique. On va voir ça. Attention, va-t-il apparaître? Il est apparu. Un grand merci, Docteur Nintendo. Un grand merci, Anto, de m'avoir accompagné lors de ce live. Puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures sur Jack. Deux. Un grand merci, à plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure dans la voiture et à jamais dans le tramway.